Wow. Ça va tout le monde? Dis à ton voisin, tout va bien. Ne sois pas coincé. Il ne faut pas être trop sérieux ici. Il faut être dans la foi. Il y en a qui sont alités, hein? Il y en a qui sont morts sans le connaître. Mais nous, il nous a fait la grâce de le connaître. Hier, c'était dans les boîtes de nuit. Hein? Ah ouais, on était là pour l'autre. Aujourd'hui, il nous a coincés. Tu n'as plus le choix. C'est ça le Seigneur. Des médecins, des avocats, des juges, des députés, des grands de ce monde, tous fléchissent les genoux, fléchissent leurs genoux devant le roi. Waouh! Magnifique. On a dit acte 10, n'est-ce pas? Je n'arrive même plus à parler. Acte 10. Il est presque 1h du matin. Ouais. Depuis 16h. Wow. Ah. Ça va? Celui qui dort là. Il doit mal à tout. Secouer. Attention, avec autant de transpiration, là, on ne peut pas dormir. Le monsieur qui nous la salle ici, là, dit, il n'a jamais vu ça. Quand le Seigneur nous a envoyé à Sarcelles, c'était pareil. Le gars a dit, on n'a jamais vu ça. Mais d'où viennent-ils les gens? La veille commence à 19h, il y en a qui sont arrivés à 1h du matin. Le monsieur leur a dit, mais non, mais c'est à 19h. Ah oui, mais c'est pas grave, on va donner notre voiture. Les gens courent depuis la gare, ça court, court, court. Les jaloux disent, oh, ils suivent des gourous. Non, c'est la jalousie. Dis à ton voisin, jaloux. Ah ouais. Ils disent, mais c'est le tai chi. Les gens viennent encore plus. Vous voyez comment on a dansé, non? Ils vont couper une partie comme ça, ils vont dire tai chi. Oh, arrêtez. Celui qui n'a jamais été touché par Jésus, il ne peut pas comprendre. Ah ouais? Danser en esprit, ah, merci Seigneur. On coupe son dit, regardez. Mais les enfants de Dieu, même s'ils sont un peu perturbés, Dieu finit par leur dire, c'est moi là. Ils font des veillées, ils font des affiches, ils font des pubs, ils font des photos, ils mettent des photos. Ils disent, venez, il y aura des miracles. Mais quand Dieu agit quelque part, une seule annonce. Amen. Le Seigneur met l'empressement dans les cœurs des gens. Amen. Ah, je vous dis. Et quand les autres voient ça, ils disent, oh, ils courent après un homme, ils suivent un homme. Arrêtez. Dis à ton voisin, arrête. Amen. C'est eux les gourous. Ils ont voulu contrôler les gens. Les gens leur ont dit, non, non, on ne veut pas vous suivre. Parce que vous n'avez pas l'eau. Dis à ton voisin, ils n'ont pas de l'eau. Dis-lui, nous avons soif. C'est ça. Mes brebis, disait le Seigneur, entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront point un mercenaire. Les mercenaires, là, ils font des complots. Ils ne s'aiment pas, mais ils se mettent ensemble. Ils se disent, comment faire pour détruire ce travail-là? Regardez tout ce monde-là. Regardez vous-même. Ce n'est pas une affaire congolaise. Hein. Ce n'est pas une affaire française. Il y a des Chinois. Il y a des Métis. Il y a des Arabes. Il y a des Bamilékés. Il y a des Antillais. Il y a les nations ici. Il y a des Européens ici. Frères et sœurs, alléluia! Ils se disent, unissons-nous pour tuer cet homme.
Mais il ne se rend pas compte que je suis plus seul. Il y a une armée. Il y a une armée. Dieu a une armée. Ce sont des prophètes de Baal. Ils ne font que parler, parler, parler. Il n'y a aucune délivrance. Il y a les aveugles ne voient pas. Les sourds n'entendent pas. Les handicapés ne marchent pas. L'évangile n'est pas annoncé avec la puissance qui l'accompagne. Ils disent, oh, ça c'est le miracle de la sorcellerie. Arrêtez. Dis à ton voisin, arrête. Vous savez, quand on a goûté à Dieu, on ne peut plus faire marche arrière. Les gens ont goûté à quelque chose. Je vous dis, au mois de mars, là, on prend encore les deux salles de Sarcelles. Là. Mars. Là. Ça va bouger. Ils ont un ministère de canapé. Un ministère canapéen. Un ministère d'ordinateur, de caméra. Ils ne vont pas sur le terrain parce qu'ils savent qu'il n'y a pas, il n'y a rien. Les démons vont leur dire, on sait qui est Dieu. On sait qui est Jésus. On sait qui sont ceux qui sont réformés. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Ils veulent vous parler de Beyoncé, oh Rihanna, oh Michael Jackson, mais vous allez les dénoncer. Ils sont dans le monde. Paul n'a pas parlé du musée du monde. Ce n'est pas ça l'évangile. Nous savons tous qu'ils sont avec le diable. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça. Les gens veulent manger. On veut de la nourriture céleste. On veut un repas copieux. C'est ça l'évangile. 6 heures d'histoire. Aïe, aïe, aïe. Un tel a fait ça. Vous croyez que c'est ça le ministère? C'est pas ça le ministère. Zéro. 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 Bien rouler les R là. Zéro. Jésus a dit quoi? Laissez les morts enterrer leurs morts. Mais nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons donner l'évangile, annoncer l'évangile. C'est ça l'évangile. Ils disent non, la femme doit porter le voile. Regarde les machos. Ils pensent que l'évangile est sorti de l'Afrique. Alléluia! Ils pensent que le voile, là, c'est le bout de tissu qu'on met sur la tête. Ce n'est pas ça le voile. On va parler. On va parler. Dis à ton voisin, il est fou ce monsieur. Dis à ton voisin, je suis fou, folle de Jésus. Ils font des complots entre pasteurs. Ils disent aux frères et sœurs, n'allez pas. Mais dans les coulisses, les gens se connectent. Un pasteur a dit devant son assemblée, n'écoutez pas les éléments de cet homme. Pendant des années, un jour, il est allé rendre visite à une de ses brebis. Mais il ne comprenait pas, il n'a pas compris que cette brebis-là appartenait au Seigneur. Quand il arrive à l'improviste chez la sœur, elle a vu que, il a vu dans son... N'est-ce pas? Il y avait une espèce d'armoire, là, toute vitrine là, remplie de messages. Le pasteur dit, non. Tu écoutes tout ça? La sœur dit, pasteur, c'est la vérité. C'est comme une femme amoureuse. Si on l'enferme quelque part, elle va enjamber la clôture. Vrai ou faux? C'est ça. Ça passe ou ça casse. Nous sommes arrivés à une époque où on ne veut plus de discours. Nous sommes fatigués des discours. Bla 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 bla. Paul a fait ça, Jacques a fait ça. Mais toi, tu fais quoi? Ton Dieu fait quoi avec toi? Quand on parle comme ça, on dit non, ils sont orgueilleux. Non! C'est l'assurance.
nous savons en qui nous avons cru. Pierre a dit quoi? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Donc nous savons que nous avons quelque chose. Alléluia! Ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et... Cet homme n'a pas voulu se lever. Il était fatigué. Pierre l'a attrapé. Allez, lève-toi. Il y a des gens qui vont recevoir la délivrance alors qu'ils voulaient autre chose. Ils sont venus pour le mariage, mais tac, un démon va sortir. Oh Dieu d'Israël. Les gens sont venus de Londres. Tu es arrivé quand? Ce soir. De Londres. Pour une veillée. Est-ce que c'est moi qui t'ai appelé? Non. Vous devez comprendre ce qui se passe. Dieu fait ce qu'il veut. Avec qui il veut. Voilà quelqu'un qu'on a formé. Il n'avait pas l'onction. Formé. On envoie quelqu'un le reconnaître pasteur. Il commence à prêcher un peu. Les gens tombent sous l'onction. Ils disent, je suis arrivé. Mais c'est fini. Fini. Vous savez, frère, je vais vous dire une chose. Vous ne voyez pas que on fait des choses, on fait des vidéos, on casse, mais plus ils font ça, plus il y a la foule. Qui a constaté cela? Mais remarquez que c'est Dieu qui agit. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le message soit diffusé partout. Et je vous dis, 2016, là, on est déjà en 2016. 2016, je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais je sens dans mon esprit. Que ceux qui ont voulu vous enterrer. Je sens dans mon esprit, oh mes amis, une femme va arriver quelque part, elle va commencer à parler seulement comme ça là. Les voisins vont tomber sous l'onction. Les délivrances vont s'opérer. Ça va être quelque chose de terrible. Je vous dis. Ça va être la révolution comme on l'a jamais expérimenté. Je vous dis, la révolution. La révolution. La révolution. Vous savez, ce message que Dieu nous a donné, il ne concerne pas tous les pasteurs, parce que beaucoup, Dieu les a rejetés. Je vous dis, près de 90% des pasteurs sur la terre, Dieu les a rejetés. C'est une nouvelle race. Une armée d'hommes et femmes que Dieu a préparé dans les coulisses, que Dieu a brisé, que Dieu a taillé, que Dieu a façonné. Dieu dit que ceux et celles qui sont ici, qui doutent encore de cette visitation divine, depuis que ce message a commencé, que ceux qui doutent encore, qui prennent garde de ne pas combattre Dieu, parce qu'ils vont être foudroyés, ainsi que leur famille, parce que Dieu est pressé de libérer son peuple. Pendant des années, des pasteurs ont capturé le peuple de Dieu. Pendant des années, ils ont capturé le peuple de Yahweh.
les hommes et les femmes pour lesquels Yeshua a versé son sang. Et Dieu dit gare à vous. Ceux qui ont des micros pour donner aux gens. Le Seigneur me dit qu'il a laissé ces hommes, il leur a accordé beaucoup de temps pour se repentir. Maintenant, c'est l'heure du jugement. Car le peuple doit sortir de la prison. Un vent de réveil terrible. Un mouvement de l'esprit sans précédent. L'esprit de vérité. Seigneur prépare son peuple. Des temps nouveaux. Mettez de l'ordre dans vos maisons. De l'ordre. Car le souffle de Yahweh a soufflé. Dieu dit, des ossements desséchés vont reprendre vie. Des ossements desséchés vont reprendre vie. L'esprit va souffler. Souffler et souffler encore. Et souffler encore. Dieu dit, de même que les nations se rassemblent contre Israël, se rassembleront pour faire la guerre à Israël, de même, nos ennemis vont se mettre de plus en plus ensemble. Mais Dieu va frapper. Chacun, chacune, à son tour.
Le Seigneur a vu son peuple dans la souffrance, son peuple dans la soif, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le maître revient. Le maître revient. Le maître revient. Acte 10. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut abandonner la sorcellerie? Si tu es là, lève ta main. N'aie pas honte. Lève ta main. Si tu veux abandonner la sorcellerie, n'aie pas honte. Le Seigneur est là pour sauver. Tu lèves simplement ta main. On va prier pour toi. Tu veux quitter le diable? Tu veux abandonner la sorcellerie? Qui d'autre? Viens. Toi aussi, tu veux abandonner la sorcellerie? On acclame le Seigneur pour cet enfant. Venez, que tous les sorciers viennent. N'ayez pas honte, c'est votre temps, c'est 2016. Vous allez quitter la sorcellerie pour servir Dieu. Venez. C'est l'occasion qui vous est donnée par le Seigneur. Venez. N'ayez pas honte. C'est un temps particulier. Le Seigneur veut vous arracher de l'enfer. Qui t'a initié? Le diable? Qui d'autre veut abandonner la sorcellerie? Il ne peut pas marcher. Gloire à Dieu. Le diable, il t'amène où le diable? Des bêtises que je ne devrais pas faire. Des bêtises? À chaque fois que je réussis en ma vie, j'ai l'impression qu'un démon vient m'assoupir, vient mettre un poids sur moi pour pas que je puisse réussir, par exemple, dans mes études. Ok. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, les enfants. D'accord. Seigneur, que cette femme soit libérée de la sorcellerie. Sors. Quitte-la. Démon, sors d'elle. Lâche-la. Voilà. On en dit les choses. Sors d'elle, sorcellerie. Quitte ce corps. Non, le chou, lâche-le. Démon, sors. Voilà, sors de là. Acclame le Seigneur pour lui. Sors de là. Quitte cet enfant au nom de Jésus de Nazareth. Allez, lâche, dame. Sors de là, sorcellerie. Avec elle à la fin. Quelqu'un d'autre veut abandonner la sorcellerie, mais la honte. Viens me voir. N'aie pas honte. On attend le Seigneur pour vous. Vous pensez que si le Seigneur n'était pas là, les sorciers pouvaient se lever comme ça?
quelqu'un veut t'aider, initié par un parent, par un de ses parents qui est là, viens me voir. Le Seigneur veut te rendre libre. Au nom de Yeshua. Cours ici, là, c'est ton temps, là. C'est votre temps. Et une onction pour libérer les gens de la sorcellerie. Il faut en profiter. Au nom de Yeshua, le Seigneur brise ses liens. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Magnifique Seigneur. Merci. Lui aussi, ouais. On va prier pour lui, mon frère Pierre. On va prier pour cet homme. Les sorciers, on sait ce qui se passe avec eux. Hein. Voilà. Acte 10, 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Cependant, ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité de mort. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit la rémission de ses péchés par son nom. Alléluia. Depuis quelques jours, le Seigneur me pousse à parler de Yeshua qui guérit. Ça va, Jean? Ok. Ok, là-bas, il y a une porte, là-bas. C'est là-bas. Comment? La sorcellerie? Ok. On acclame le Seigneur pour elle. Lâche-la. Sors. Voilà. Au nom de Yeshua, sors d'elle. Merci Seigneur. Ce sont des gens avec qui il faut parler à la fin, hein, mes frères. Merci. Mireille, tu pourras parler avec elle à la fin. Merci, c'est bon. Un troisième œil ici. C'est ça la sorcellerie. Il voit des choses que les hommes normaux ne voient pas. Ça va tout le monde? Tout va bien? Pas facile. Hein? On finit dans quelques temps là, quelques heures. Pierre, notre frère, a expérimenté la puissance de la résurrection. Et ici, il s'adresse au peuple qui avait rejeté le Messie. Il se présente devant ce peuple comme un témoin de la puissance de la résurrection, un témoin de la puissance que le Seigneur avait exercée sur l'autorité qu'il avait sur les maladies, sur les démons. Et il dit que le Seigneur allait des lieux en lieux. Alléluia. Des lieux en lieux. Pour faire quoi? Pour libérer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. Voilà l'évangile. Chrétiens, écoutez bien. Depuis quelques jours, le Seigneur me pousse à prendre position pour la vérité encore plus qu'avant, à dénoncer ceux et celles qui sont assis chez eux et qui pointent les autres et qui ne vont jamais sur le terrain, qui ne sont pas missionnaires,
qui sont pour la plupart des envoyés de Satan, qui n'ont pas expérimenté la puissance de la résurrection, qui pensent que le ministère, c'est être derrière une caméra et de parler. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est de confronter les gens comme ça, c'est de confronter les sorciers et de leur dire « venez ». C'est ça l'évangile. Et que les sorciers qui sont là aussi viennent, ceux et celles qui veulent être sauvés. C'est ça l'évangile. En fait, Dieu fait tous ces miracles pourquoi ? Ce n'est pas pour que vous soyez idolâtres. Non. Dieu fait ces miracles, produit ces miracles, pour vous montrer que l'évangile que Paul a prêché, que Pierre a prêché, que Jean a prêché, n'a pas changé. Alléluia. Pour vous montrer, pour vous donner la connaissance nécessaire afin de ne plus être la proie de faux. Je ne dis pas que tous les hommes qui prêchent, toutes les femmes qui prêchent doivent faire absolument les mêmes miracles, c'est pas ça. Mais je dis que quand on prêche, quand on lit la parole du Seigneur, Yeshua allait de lieu en lieu. Il y a des gens vers qui Dieu nous envoie. Il ne nous a pas demandé de rester assis à vie, non. Il nous a demandé de sortir, de bouger, tous. Nous sommes l'Église et nous sommes appelés à aller. Le verbe grec dit, dans Matthieu 28, là-bas, quand le Seigneur a dit « aller », c'est un verbe qui est au présent, hein, continu. Donc, nous sommes appelés toujours à aller et à libérer les gens, à libérer les gens. Et si on vous prêche un Jésus qui ne guérit pas, ne le croyez pas. D'accord ? Alléluia ! Il guérit. Qui croit que le Seigneur guérit encore aujourd'hui ? Les enfants ont l'onction là-bas, là, c'est beau. L'évangile libère les gens du péché. L'évangile libère les gens de la maladie aussi. L'évangile libère les gens, bien sûr, de la puissance démoniaque. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont peur des sorciers. Vrai ou faux? Ah, c'est un sorcier. On ne va pas le saluer. Il faut faire attention. Tu sais, la sœur là-bas qui fréquente l'assemblée, il ne faut pas t'asseoir à côté. Moi, si on m'apprend que tu es sorcier, je veux venir m'asseoir à tes côtés. Je veux te saluer. Alléluia. Parce que ce n'est pas à moi de partir, c'est à toi de bouger. Je me rappelle un jour, une de mes sœurs disait à notre papa, il faut vendre la maison, sortir de là parce qu'il y avait des sorciers, des voisins sorciers. Je dis aux parents, mes parents, personne ne vendra la maison et personne ne va déménager, c'est eux qui vont déménager. On était encore petit. Hein. Et je dis au Seigneur ce jour-là, je dis, Seigneur, ouvre les yeux de ma sœur. Je n'avais même pas fini de prier. Dieu lui a ouvert les yeux. Et je l'entends rigoler. J'ai compris que Dieu venait de lui montrer des choses terribles. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, j'ai vu des anges, des géants entourer la maison. Je lui ai dit, voilà pourquoi on ne doit pas déménager. Frères et sœurs, oh que Dieu nous aide. Pierre dit que Yeshua, notre maître, n'avait qu'une mission, c'est de libérer le peuple, de libérer les gens. Nous avons besoin de la délivrance par rapport à l'ignorance. Regardez la foule qu'il y a ici, là. Allez, regarde. Et là encore, beaucoup ne sont pas venus parce qu'ils se sont dit, la salle est trop petite. Je suis convaincu que si on avait pris un stade, il y aurait eu des gens dehors. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Hein. Vous savez pourquoi? Quand Élisée a demandé à la femme, tsunami de, hein, il a prié pour l'huile. La Bible dit qu'il a demandé à la femme d'aller chercher des vases. On est d'accord, non? Elle est allée chercher des vases chez les voisins. Et à chaque fois qu'un vase était amené, hop, l'huile coulait. Et quand il n'y avait plus de vase, l'huile s'est arrêtée. En fait, Dieu, quand il déclenche un réveil, comme c'est le cas là, il n'y a plus de salle qui puisse contenir les gens que Dieu a touchés. Vous comprenez? Donc maintenant, c'est à nous de bouger par la foi. Moi, je crois qu'il y aura des délivrances, des guérisons, des miracles qu'on n'a pas encore expérimentés, frères et sœurs. Ce que Dieu me fait comprendre là, on va voir des gens dont les membres, les jambes sont coupées.
amputé. Pendant l'adoration, il y avait un homme de Dieu, Smith, un Anglais. Il a prié pour un homme qui avait une jambe, qui était amputé d'une jambe. Cet homme est venu le voir pour la prière, pour autre chose. Lui, il a dit, bon, moi, je vais prier pour ta jambe. Il lui dit, va voir ton cordonnier, prends une paire de chaussures. Le monsieur dit, attends, mais j'ai qu'une jambe, j'ai qu'un pied. Le frère lui dit, non, va, prends deux chaussures pour toi. Il arrive chez son cordonnier qu'il connaissait, cordonnier, tout ça, il lui demande une paire. Le gars, il le regarde, il dit, mais attends, mais t'as qu'une. Il dit, non, donne-moi cette fois-ci deux chaussures. Il achète les deux chaussures, il enfile la première et il s'apprêtait à mettre la deuxième que la jambe devant le cordonnier, la jambe a poussé, sorti de... Le cordonnier a sauté! Frère, regardez ce qui se passe en Europe et dans le monde. Je suivais les informations hier et la plupart des capitales de ce monde ont annulé les festivités liées au Nouvel An, tout ça, et notamment les feux d'artifice, parce que ils se disaient, bon, les autorités se disaient qu'à cause des attentats, tout ça, vaut mieux prévenir que guérir. Imaginez le nombre de personnes qui sont traumatisées à cause des fusillades, à cause des attentats. Je suis convaincu qu'il y a même beaucoup de musulmans qui veulent changer de religion. Vous ne voyez pas que c'est le temps de la moisson? Qu'est-ce qui peut convaincre un musulman que Jésus est Dieu? Ce n'est pas seulement la parole, le dialogue, les blablabla. L'évangile, oui. Mais un évangile, pas la théologie. Ils ne vont pas être convaincus avec la théologie. Non, mais l'hébreu veut dire ça, le grec veut dire ça. Non. Ce qui va toucher beaucoup de musulmans, beaucoup d'hindous, c'est la démonstration. Je vais vous dire une chose. Vous savez que la foi chrétienne est basée sur la résurrection du Seigneur. Qu'est-ce que la résurrection? C'est la puissance. Tiens, tu vas dire la puissance. Dis-lui encore. C'est power. Alléluia. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui la puissance. Regardez. Regardez. Ouais. Tu voulais juste témoigner. Ben vas-y. Je m'appelle Mariama, je suis de Guinée, au passage, 38 ans. Et Dieu m'a sauvée cette année. Et je voulais profiter justement devant le peuple de le confesser. Voilà. Je suis née musulmane, j'ai toujours vécu dans la religion musulmane. Et c'est pas un homme qui m'a convertie, c'est Dieu lui-même. Il m'a parlé en songe, qui s'est manifesté. Au début, je n'ai pas compris. Je me demandais ce que je pensais, que je perdais la tête, en fait. Et voilà, et ça s'est accentué. J'ai résisté pendant 2 mois. Et voilà, c'était de pire en pire. Tous les soirs, il se manifestait puissamment jusqu'à ce que je me convertisse. Le dernier message qu'il m'a dit, repends-toi. C'est la dernière fois que je t'avertis, repends-toi tout de suite. Et là, je me suis réveillée terrorisée. Et voilà, j'ai fait mon baptême en juin. Alléluia! Oh, j'aime l'évangile! Alléluia! Regardez, les Hébreux, boîtiers, clochiers, tout ça, les clochers de deux côtés, ils ne savaient plus lequel choisir, Baal ou Dieu, ou Yahweh. Élie n'est pas parti le voir avec les discours. Parce que les prophètes de Baal avaient aussi leur discours. Les Grecs étaient des grands philosophes. Ils avaient beaucoup de philosophes. Paul est allé voir les Corinthiens qui étaient des Grecs. Il leur a dit quoi? Il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Il y a des choses que Zeus ne peut pas faire. Moïse a été envoyé par Dieu pour libérer le peuple. Il n'est pas parti avec des discours devant Pharaon. Il est parti avec un bâton. Mon Dieu. Pourquoi?
Parce que Dieu savait que les magiciens de Pharaon avaient aussi un pouvoir. Moïse change, transforme. Moïse jette son bâton qui se transforme en serpent. Les magiciens aussi font la même chose. Moïse transforme, invoque l'époux, arrive, pareil, la même chose. L'eau en sang, la même chose, arrive au quatrième miracle. Les magiciens ont voulu copier. Il y a des choses que Bouddha ne peut pas copier. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec le vaudou. Le vaudou est limité. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec l'islam. Mais, quand Jésus visite un homme, il ne l'envoie pas avec des discours seulement. Il lui donne l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Ah, Paul dit, car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Car c'est là. C'est quoi? La puissance de Dieu pour... Qu'est-ce que le salut? La délivrance. Qu'est-ce que le salut? La délivrance. Pour le salut de quiconque croit. Donc, qu'est-ce que vous nous prêchez là, vous qui êtes assis chez vous là? Quel est cet évangile là? Oh, Beyoncé, c'est quoi la puissance là-dedans là? Vous voulez nous distraire, dites à ton voisin, distraction. Des chimères, des histoires. L'eau de chicard. Oh, tel pasteur est faux. Mais il n'y a pas que ça dans l'évangile, là, mes amis. Là. Nous voulons la puissance de l'évangile de Dieu. Quand Jésus est venu, il a trouvé des pharisiens. Ils avaient la connaissance. Dis à ton voisin, ils avaient la connaissance. Mais il leur manquait la puissance. Vous savez comment on le sait? À l'entrée du temple, il y avait un boiteux qui était là. Il faisait la manche, vrai ou faux? Monsieur le pharisien arrive avec son doctorat en théologie. Il passe devant, une petite pièce, il donne, il rentre. Mais voilà deux hommes qui arrivent avec la puissance. Qui ont rencontré Yeshua. Ah! Cet homme s'attendait à recevoir de quelque chose. L'or ou l'argent. Pierre arrive, alléluia, amen. Yeshua, oh, il a vaincu Satan. Amen. J'étais musulman, il m'a délivré. Amen. J'étais juif, il m'a guéri. Amen. L'homme dit, oh, donne. Pierre s'arrête. Il dit, fixez-moi là. L'homme le fixe. Il dit, je veux recevoir des millions. Pierre dit, je n'ai pas l'évangile de la prospérité. Je n'ai pas cet évangile là. Aïe, 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 aïe. Alléluia! Nous ne prêchons pas pour que vous soyez milliardaires. Nous prêchons pour que vous alliez au ciel. Alléluia! C'est ça l'évangile. Oh, amène ton offrande, ta ton enveloppe d'action de grâce. Oh, tu seras béni, voleur. Chicor, dette, voilà, chicor. Pierre dit, regarde-moi. Ta main. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Il ne faut pas seulement se lever, il faut aussi marcher. Hé, frère, le gars, il ne voulait pas se lever. Lui, il voulait la prospérité. Pierre l'attrape. Ce soir-là, on va vous attraper. Marche! Je vous ai dit un jour, des islamistes sont venus me voir, ils ont dit, nous voulons un débat public, on va louer une salle. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Mais pas on va pas discuter sur le Coran, la Bible. Non. Sur la puissance. On va trouver un aveugle de naissance. Vous allez prier votre Dieu devant le peuple. S'il est guéri, je me convertis. S'il ne l'est pas, si moi je prie, il est guéri, vous allez vous convertir. Ils ont dit, non, on n'est pas dans ça là. Ben, c'est normal. Mais nous sommes dans ça. Nous, notre Dieu fonctionne comme ça. Au commencement, il était là. Il dit que la lumière apparaisse et la lumière. Quand Dieu parle, les choses se matérialisent. C'est ça l'évangile. Jesus Christ.
Voilà pourquoi tu n'es toujours pas mort. On t'a persécuté, mais tu es toujours vivant. Pourquoi? Il a dit quoi? Parce qu'il a dit, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vas raconter. On a dit au terrain, sont morts. Oh, quel rein! Qui a créé les reins, la frère et soeur? Les reins obéissent à la parole! Jesus Christ! Ton médecin, là, il était un bébé avant. Il était un fœtus. Hein? Il a étudié un peu. Mais il y a quelqu'un qui l'a créé. Hein? Oh, mon cœur est malade. Tout obéit à la parole de Dieu. Waouh! De lieu en lieu, libérant les gens. Il n'y a plus de guérison dans nos assemblées. Il n'y a plus de miracles. Alors, il y en a qui disent, vous savez, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Si vous entendez chez vous, même dans nos églises qu'on a implantées hier, si des gens qui sont avec vous disent, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, alors ne courez pas après les miracles, c'est qu'ils sont en train de se sentir diminués parce qu'ils n'ont pas l'onction pour ça. Si tu n'as pas l'onction, arrête de prêcher. Tu n'es pas obligé de souffrir. Alléluia! Oh! Oh frère, j'ai jeûné 3 jours pour l'onction. Non. Moi, je n'ai pas jeûné pour l'onction. J'étais chez moi. Jésus est venu me voir. Comme avec la sœur. Il dit, viens et serre-moi. Il m'a dit, mets-toi à genoux là. Ah! Il m'a imposé les mains. C'est ça? Vous vous forcez. Vous allez faire 3 jours de jeûne avant de prêcher. Mais nous autres là, tout est grâce. On jeûne quand il faut. Mais avant de venir, on mange. On adore Dieu. Et tout est grâce. Dieu ne peut accompagner que ceux et celles qu'il a mandatés. C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui au nom de Yeshua. Toutes vos chaînes se brisent au nom de Yeshua. Alléluia. Au nom de Yeshua. Je vous dis, même si ta famille ne le veut pas, mon Dieu le veut. Oh, alléluia. Au nom de Yeshua, alléluia, au nom de Yeshua, la grâce du Seigneur, la puissance de la résurrection, l'autorité apostolique, l'autorité, oh, alléluia, de l'évangile, la puissance qui te sort, n'est-ce pas? Oh, je vous dis, il y a des choses qui se passent ici, là. Les démons qui t'embêtent là, ils reconnaissent ce soir, ils reconnaissent l'autorité de la parole qui les a créés quand ils étaient des anges. Alors cette parole dit quoi? Aujourd'hui, ces esprits quittent ton âme, quittent ton corps, quittent ta famille au nom de Yeshua. Ça sort là, acclamez le Seigneur, ça sort. Ça sort, acclame Dieu. Wow! Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. C'est du tac au tac, c'est ça l'évangile. Voyez, non? C'est-à-dire, tu ne fais que marcher dans les rangs là. Il y a l'onction qui tombe sur les gens comme l'ombre de Pierre là. Oh! Les démons ont peur là, je vous dis, maintenant ils ont peur. C'est pas un jeu. Vous allez vomir ces choses. Jésus de Nazareth, il allait de ville en ville. Pourquoi? Il allait à la rencontre des enfants de Dieu qui étaient retenus captifs. Il allait confronter les démons. Il allait confronter les satanistes. Il allait confronter, il est allé dans le désert, là où il y a les démons. Il est allé les confronter sur leur terrain. Et ce soir, c'est ce qu'il me demande de faire. Nous venons là où les démons se trouvent dans vos familles. On va, au nom de Yeshua, vous déloger de là. Au nom de Jésus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Marie de nuit que je vois ici, là. Marie de nuit, là-bas. Acclame le Seigneur. Ça sort. Acclame Dieu. Ça sort là-bas, là. Au nom de Jésus. Ça sort. Waouh. Voilà pourquoi nous sommes combattus. Voilà. Ils disent, mais nous, on n'a pas ça. Comment on va faire? Alors ça, c'est la sorcellerie. Ils disent, non. Le peuple a vu clair. Jésus,
il est arrivé quelque part, là, avant même d'arriver, les démons tremblaient déjà. Vous savez, Ecclésiaste nous dit quoi? Cantique de Cantique, pardon, 1-3. Ton nom est un parfum répandu. Vous voyez, non? C'est-à-dire, avant qu'il n'arrive quelque part, les démons le savaient. Les démons territoriaux le savaient. Et il y avait la panique. C'est ça, Jésus. Quand il arrive quelque part, là, c'est pour ça que la Bible dit que porte élevée au linteau. Avant même qu'il n'arrive, les linteaux... Oh, les linteaux. De lieu en lieu. Si on vous prêche un évangile qui n'est pas accompagné, c'est pas ça, Jésus. Non. Qu'il soit docteur, qu'il soit prophète, apôtre, tout ça, là, l'évangile doit être d'abord gratuit. Ensuite, les chaînes sont brisées. C'est ça, Jésus. Voilà. Vous voyez, non? Paul arrive quelque part. Il y avait des choses qui se passaient. Les gens disaient, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Ah oui, c'est ça l'évangile? C'est ça l'évangile. Vous savez pourquoi Dieu fait tout ça? Pour vous montrer la différence. Nous ne sommes pas des catholiques. On va vous donner une nouvelle. Dis à toi, pose-moi quelle nouvelle? Je n'ai pas bien entendu. Une sœur qui prie dans une des assemblées qui a été implantée, elle était musulmane. Elle craint Dieu. Elle a pris une BGC. Elle est allée au Vatican hier. Elle a donné une Bible, une BGC au pape, à main propre. Au nom de Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Jésus. Ah. Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. C'est ça le réveil. Asseyez-vous, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 2016, ça va être chaud. Alléluia. Ça, c'est un démon guerrier. Il est venu tout doucement. Dieu me l'a montré. Hop. Il y a le réflexe d'avant, là. Allez, au nom de Jésus. Qui n'a jamais vu ça? Qui est choqué? Voilà. Jésus arrive dans une synagogue, il prêche, les démons s'excitent. Il disait, qu'y a-t-il entre toi et nous? Qui a déjà lu ça? Mais voilà. Frères et sœurs, je vous dis une chose. Écoutez bien. Ceux qui nous combattent là, ici et là, même ceux qui sont formés hier, qui combattent ce message et qui nous combattent. Vous savez pourquoi ils font ça? C'est comme ce jeune homme-là. Ils sont possédés. Ils ont ouvert des portes. Les démons de haine sont venus. Les démons de jalousie, d'amertume. C'est la même chose. Et ça fait des vidéos. C'est la même chose. Si on les arrête, on prie pour eux, là, tout ça, vous allez voir les démons. C'est ça. Ils ont une haine terrible, les démons, là, contre ce message. Parce qu'ils se disent, c'est des choses qu'on a cachées. Pourquoi lui va parler de ces choses-là? On n'est pas les seuls, attention, il y en a d'autres qui sont dans le monde, qu'on ne connaît pas forcément, qui prêchent comme nous-mêmes, mieux que nous. Que Dieu utilise peut-être plus que nous encore. Mais cet évangile, on ne va plus le cacher. Il faut qu'on vous présente Jésus autrement. On vous a présenté un Jésus qui court après votre argent. Notre Jésus n'est pas comme ça. Jésus dit que ton argent périsse avec toi. Ce n'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut là, c'est ta vie, c'est ton âme, c'est mon corps, c'est ma vie. Voyez, non? Voilà. Il n'y a pas ça hein, dans les mosquées, tout ça là. Parce qu'il faut la puissance.
Il faut la puissance. Ce n'est pas fini. Même les sirènes qui sont ici. Là. Je vous dis. Ah, acclamez Dieu. Acclamez Dieu. Là, acclamez Dieu. Acclamez. Regardez la sirène. Regardez la sirène. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Acclamez Jésus. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Laissez-la. Jésus, 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 Jésus. À genoux, à genoux, à genoux. Allô Jésus, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux. Maintenant. Ah. Amenez-la là-bas. Amenez-la là-bas. Asseyez-vous. Au nom de Jésus, amenez là-bas les sœurs, allez prier pour elle dans la pièce là-bas. Parlez avec elle. Qui réalise que Jésus existe? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu es bon! Oh mon Dieu! Tu es bon! Oh mon Dieu! Tu es bon! Dieu, tu es bon. Il m'a guéri, tu es bon. Il m'a délivré, tu es bon. Oh, oh Jésus, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon pour moi, tu es bon. Waouh. Dis à ton voisin, c'est ça la vie chrétienne. C'est la démonstration de l'évangile. Bah oui. Jesus. Jesus. Il allait de lieu en lieu. Voilà pourquoi il nous pousse aussi parfois à prendre des salles comme ça, à faire des programmes d'adoration ici et là. C'est pas la chair. C'est pas la chair. Non. 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 Amen. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Amen. Qui a encouragé encore aujourd'hui là? Ah, c'est beau ce que Dieu fait. Hein? Pour rien au monde, hein, on allait rater cette réunion dans sa présence. C'est des choses qu'on nous cache dans les assemblées. Pourquoi? Parce que le Seigneur est sorti de beaucoup d'églises. Et aussi, il faut comprendre qu'il n'a pas, il n'a jamais été dans certaines assemblées. C'est pour cela que les démons sont là. Ils règnent. Ils règnent. On prêche et les gens dorment. Les gens viennent posséder, ils repartent posséder. Les sirènes des eaux sont là. Elles font des choses, elles font tomber des pasteurs. Ça brise des foyers, des pasteurs qui divorcent, qui se remarient, qui abandonnent leur foyer, d'autres qui meurent avant, qui tombent malades. C'est le règne des démons dans les assemblées. Dans les familles, ils n'en parlent même pas. L'évangile, on le vend aujourd'hui.
Les démons sont venus. Ils ont poussé des pasteurs à vendre l'évangile, à vendre la guérison divine, à vendre la délivrance. On vous dit, pour être délivré, il faut donner. Pour avoir des enfants, il faut donner. Cet évangile est démoniaque. Le Seigneur libérait les gens de l'emprise de démons. Et l'évangile que nous prêchons, là, Dieu donne cette onction-là. Pourquoi ? Pour vous montrer. Pour ne pas que vous soyez attachés à nous, non. Pour vous montrer que la Bible que vous avez entre vos mains, là, la parole de Dieu est la vérité. Que quand la Bible dit que Jésus-Christ est venu sur terre, ce ne sont pas des histoires. Parce que vous voyez ce qui se passe là ? J'ai aucune puissance si ce n'est que celle du Saint-Esprit. Vous voyez ? Donc ce que la Bible dit là, quand Paul prêchait, les démons étaient chassés, mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Le Seigneur allait quelque part, il y avait des foules comme ça, mais c'est l'onction qui attire la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu. Il allait, la Bible dit que Dieu l'avait oint. Dieu a oint son fils, Yeshua, homme, du Saint-Esprit et de puissance, de force. Voyez, il y avait pourquoi la force? Parce qu'il fallait confronter les forces des ténèbres. Voyez, non? Oh, alléluia. Satan, tout ce qu'il veut, c'est quoi? Il veut que tu repartes dans le monde. Il veut que tu abandonnes le Seigneur. Que tu meurs pour aller en enfer. Donc voilà pourquoi il faut la puissance de Dieu pour aller arracher ces âmes-là. Voyez, non? Voilà. Voilà. Là où ton oncle a dit que tu vas mourir, l'évangile arrive. Le Seigneur envoie ses messagers. Il envoie ses messagères qui viennent et qui disent, tu ne mourras plus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous étaient contraires. Il a éliminé. Il a effacé. Oh, alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Ils vont faire des réunions contre toi, contre ta famille. Dieu va venir te visiter. L'onction te saisira. Tu vas te lever en prière. Et tu vas proclamer la parole. Tu vas déclarer la délivrance de ta famille. Tu vas déclarer le réveil pour ton île. Jesus Christ. Pierre a prêché l'évangile. Il a ouvert la bouche, il a parlé. L'esprit tombait sur les gens. C'est ça l'évangile. On prêche comme ça. Le feu tombe sur les gens. Il y a des démons qui se disent, on sort. On ne veut plus rester là. On veut quitter. On veut quitter. On veut quitter. Comme une dame qui est venue de loin ici. Qu'on a mariée la nuit. Toutes les nuits. Les attaques dorment plus normalement. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Et Dieu l'a envoyée ici. Femme, là où tu es assise, le Seigneur vient, la puissance de l'évangile vient sur toi. Et le Seigneur est en train d'enlever ce voile de ta vie. Il est en train d'enlever ce manteau mystique de ta vie et brise ce vêtement qu'on a mis sur toi. Et il est en train de restaurer ta vie définitivement, là où je parle, au nom de Yeshua. Fini. Le Seigneur vient voir cet homme qui pleure, qui souffre. Il vient le voir, il vient le oindre, il vient le libérer. Alléluia, de la peur, de la timidité, afin qu'il parle désormais avec la puissance de la résurrection. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, alléluia. Il était oint du Saint-Esprit. C'est ça le message. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un prêcher sans l'avoir oint au préalable. Alléluia. Sans l'avoir équipé. Dieu ne peut pas t'envoyer en guerre sans les vêtements, sans l'armure du combattant. Alléluia. Oh, alléluia, Yeshua, notre maître, est venu pour nous libérer. Il est venu libérer les captifs. Ici, là, aucun enfant de Dieu ne peut être retenu. Ce n'est pas possible. Aucune fille d'Abraham ne peut être retenue au nom de Yeshua. Aucune. Un esprit de mort. Un esprit de mort. Un esprit de mort. Qui est très très en colère. Il est venu pour arracher cette âme. Il est venu pour arracher cette âme. Il est venu arracher cette âme. Mais Dieu est en train de la ressusciter. Dieu est en train de la ressusciter. Jesus, 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 Jesus. Acclame Dieu pour cette âme. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu pour son âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Lâche-la. Sors. Sors d'elle. Sors d'elle. L'esprit de mort, tout en noir. Oh. À genoux. À genoux. On attend Dieu. C'est magnifique. La puissance de Dieu. Oh, Jesus. Alléluia. Oh, c'est beau. Oh, quelle onction du Saint-Esprit. Quelle onction du Saint-Esprit. Ici, une deuxième femme que Dieu libère là, là, là. Une toile d'araignée qui est sur elle. Un esprit qui s'en va là. On acclame le Seigneur pour sa vie là. Oh, Jesus Christ. Oh, alléluia. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Voyez la puissance de Dieu. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, 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 magnifique. Oh, les gars. Alléluia. Oh, alléluia. Quelqu'un ici, quelqu'un dans cette salle. Quelqu'un dans cette salle. L'esprit de, d'un membre de sa famille le combat beaucoup. Quelqu'un qui pratique la sorcellerie, qui a fait une alliance avec le diable, qui combat ta vie. C'est un esprit humain qui est là et qui est... On sort de là. On acclame le Seigneur pour cet esprit qui s'en va au milieu de toi. Oh, alléluia. Jesus. Sors d'elle. Voyez, ça, l'évangile est annoncé. Il y a la démonstration après. Voyez, non? C'est ça l'évangile. Dis à toi, c'est ça l'évangile. Tu es là assis, assis comme ça tout le temps. Tu ne fais qu'aboyer. Waouh, 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 waouh. Va confronter les démons. Que les démons te disent, ils te connaissent. Hmm? Mm-hmm. Il y a un esprit ici qui brise à chaque fois les projets de quelqu'un ici là par rapport à oh, cette famille ne peut pas vivre dans le bonheur du mariage. Il y a une famille qui souffre ici. Sors de là! Acclame le Seigneur pour sa vie là au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Jésus, de ville en ville, de pays en pays, tu démontrais la puissance de la résurrection. Oh alléluia, Jesus Christ. Oh alléluia. Il y a un démon ici qui possède quelqu'un. Cette personne a tout le temps des pensées impures. Tout le temps des pensées impures. Tout le temps des pensées impures. Une autre personne, une deuxième personne qui est ici là. Oh alléluia. Des pensées de blasphème. Tu ne veux pas blasphémer contre Dieu, mais c'est tes pensées. Ça sort là, ça sort, ça sort. Là, je dis, sors de ce corps là. Sors de ce corps. Quitte cet homme. On a... Oh, alléluia. Sors. Jesus Christ. C'est fini, c'est réglé. Tu es libéré de ce poids là, ce fardeau là. On a dit un chaud. Oh, alléluia. Un esprit de peur. Un esprit de peur. Quelqu'un qui est tout le temps timide alors que. Il a des choses à donner, tout ça là. Cet esprit te rend captif. Et tu ne veux plus être timide. Tu ne veux plus être timide. Acclame le Seigneur pour cette jeune fille là. Sors de là. Sors de là. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Quitte-la. Quitte-la. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, mon Dieu. Mais c'est glorieux. Hein? Waouh. Waouh. Je suis moi-même étonné. Sors. Cette jeune femme ne sera plus timide. Jesus, Jesus. Mmh. Oh, les gars. Quel est le Jésus qu'on vous a prêché? Mmh? Celui qui ne guérit jamais. Celui qui ne chasse pas les démons. Celui qui court après l'argent des gens. Celui qui court après les hommes politiques, ce n'est pas ce Jésus-là. Non, notre Jésus, celui que nous vous prêchons là. Non, il est assis sur son trône depuis l'éternité. Il contrôle toutes choses. Il y a un esprit des eaux ici. Il y
y a un esprit des eaux ici. Un esprit des eaux. Un esprit des eaux. Un esprit des eaux. Un esprit des eaux. Un serpent là. Tu vas sortir de ce corps. Quitte cette jeune femme. Sors de là. Mamie Wata. Il y a Mamie Wata là. Mamie Wata là. Mamie Wata ici, là aussi là. Mamie Wata. Regardez-moi ici là. Ça vient des eaux là. Ça vient des eaux là. Ça vient des eaux. Acclame Dieu pour cette jeune femme. Oh! Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Regardez Mamie Wata ici là. Ah, c'est terrible. C'est terrible ici là. La puissance de Dieu travaille ici là. C'est terrible. Mamie Wata, quitte là. Jesus. Oh, 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 oh. Ça sort terriblement ici là. Ça sort. Oh. Écoutez, écoutez. Vous savez, il se passe beaucoup de choses ici là. Il y a beaucoup d'anges qui sont ici. Il y a des démons qui demandent la permission de sortir. Vous allez voir des serpents qui vont commencer à sortir. Vous allez voir des serpents qui vont commencer à sortir. Il y a plein de sirènes ici. Il y a deux reines qui sont ici. Deux reines des eaux. Amène-la-moi devant. Deux reines des eaux ici. Là. Deux reines des eaux qui poussent ces jeunes femmes, n'est-ce pas, à commettre des actes qu'elles ne veulent pas, qui les amènent à faire n'importe quoi avec le péché, alors qu'elles ne veulent pas. Elles cherchent à servir Dieu. Elles cherchent à plaire à Dieu. Oh, alléluia. Ces serpents-là, au nom de Yeshua, je vous donne l'ordre, je vous donne l'ordre, je vous donne l'ordre, un ordre depuis le ciel, un ordre depuis le ciel. Vous allez lâcher ces personnes. Vous allez lâcher ces personnes. Je vous dis, lâchez-les, lâchez-les, lâchez-les. Reine, à genoux, reine. Au nom de Yeshua, sortez! Il y a une sirène qui est quelque part. Elle a beaucoup de cheveux. Elle a beaucoup, beaucoup de cheveux. Elle est très bien maquillée. Elle est là. Elle est très fière. C'est une personne qui ne veut pas d'homme, mais elle est, c'est plus fort que toi. Oh, alléluia. C'est une reine. Une alliance a été conclue dans ta famille. Oh, alléluia. Viens ici la reine, elle dit elle-même, me voici. Les sœurs, priez pour elle. Là, c'est un gros serpent là. Jesus. À genoux, à genoux, à genoux, à genoux. Que les femmes de Dieu qui sont là, les sœurs, entourez-la, priez pour elles. Il y a une autre reine qui se cache. Il y a une autre reine, je dis, il y a une autre reine ici. Oh, Jesus. Jesus. Cette femme dont je parle, une autre, elle a été consacrée depuis le ventre de sa mère. Consacrée, 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 consacrée. Le Seigneur vient l'arracher de là, afin qu'elle ait une vie normale. Afin qu'elle ait une vie normale, une vie épanouie, une vie épanouie, tout ça au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Amenez-la moi là-bas, là. C'est elle là-bas. Là. On acclame le Seigneur là-bas. Là. Oh Père, merci. Waouh. Oh. Viens ici, la reine. Viens ici. Tu vas lâcher ce corps. Tu vas lâcher cette jeune femme. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'en aller. Et ne plus y revenir. Au nom de Yeshua. Tu as été vaincu à la croix. Le Seigneur a triomphé de toi à la croix. Mm-hmm. Vous avez vu comment elle a peur? Vous avez vu? Regardez. Elle a peur de la puissance de Dieu qu'il y a ici, là. Parce qu'il y a un mur. Il y a un mur. Viens ici.
Viens ici, viens ici. Tu vas lâcher cette sœur qui va servir le Seigneur. Oh, oh, oh. À genoux. À genoux. Nom de Jésus. À genoux. Voilà. À genoux. À genoux. Maintenant. Sors. Jesus. Oh, ça sort. Au nom de Jésus. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Elle est en train de vomir là. On va l'aider là. Oh. Ne dormez pas. Hein? Ah non. Parce que quand ça sort comme ça, là, ceux qui dorment là, c'est pas bon. Il faut être en prière. Pendant que les démons sortent, toi dans ton corps, dans ton cœur, prie, Seigneur, libère-moi. Mais pour les enfants, ne vous inquiétez pas, Dieu les protège. Hein. Écoutez, Dieu me montre quelque chose là, c'est terrible. Il y a un esprit qui s'est logé dans le ventre d'une personne qui est venue ici. Acclame Dieu, voilà, acclame Dieu. Waouh! T'as vu ça un peu, Jean-Laure? Oh, c'est beau, hein? Acclame Dieu encore. Amenez-la moi. Waouh! Qui veut que Jésus libère son peuple ce soir? Vous voyez, mon frère? Les gens veulent seulement, ils veulent, oh non, mais tel verset, c'est bien. Mais où est la puissance? Hein? Les philosophes. Moi, je les appelle philosophes. Dites philosophes. À un moment donné, Paul a dit quoi? Le royaume ne consiste pas en parole, en puissance. C'est par la puissance que Dieu confirme qui il a appelé, qui n'a pas appelé. Merci, Paul. Amenez-moi cette personne-là. Vous savez quoi? Posez-moi la question. Qu'est-ce que se passe là? Ah, j'ai pas bien entendu. Voilà. C'est un démon de cancer de l'utérus. Voilà. Il s'est logé là comme un fœtus. Un démon petit comme ça qui a des plaies. Il a des plaies partout et il veut provoquer ce cancer. Jésus. Oh, j'aime Jésus. Dis à ton voisin, j'aime Jésus. J'aime Jésus, 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 j'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, oh j'aime Jésus. Ouais, vous avez vu comment le démon là est surpris? Il ne s'y attendait pas. Regardez-moi cette dame, comment elle souffre. Oh, sors. Au nom de... Tu peux la laisser au sol là, c'est pas grave. Sors. Regardez-moi là, c'est terrible. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh. Le démon est comme tétanisé là. Vous ne vous rendez pas compte de la puissance qu'il y a ici. Là. Ah non. Le Père est descendu ici. Je vous dis. Waouh! Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de libérer quelqu'un d'une malédiction familiale, une malédiction ancestrale qui touche beaucoup sa famille, qui affecte sa famille, qui
qui affecte sa famille. Qui affecte sa famille terriblement. Oh. 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 Regardez là. Regarde. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Mais Jésus, il est trop fort. Regardez-moi ça. Vous voulez déborder, Amiré, hein? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, la puissance de la résurrection. Oh. Il y a des choses qui se passent ici, là. Il y a des choses qui se passent. Écoutez quelque chose là. Écoutez ce qui se passe. Oh. Oh. Dis à ton voisin, c'est l'hôpital. Diagnostic et délivrance, guérison. Diagnostic et traitement. Au nom de Jésus. Il est quelle heure là, Jean? 2h20. Oh. Oh, oh, oh. Il y a l'attente de quelqu'un ici qui pratique la sorcellerie, qui a pris tes empreintes, qui a pris les empreintes de tes pas, de tes pieds. Elle est loin de la sorcellerie. Le Seigneur est en train de libérer quelqu'un, cette personne ici, de cette mainmise-là, la tente-là qui pratique. Le Seigneur est en train de libérer totalement ta vie, mais pas seulement ta vie, mais également ta famille. Oh, sors d'elle. Acclame Jésus-Christ. Oh. À chaque fois on me chasse, à chaque fois on veut me chasser. Pourquoi vous voulez me chasser? Viens ici. Au nom de Jésus. Ne la touchez pas, elle va venir elle-même. Tu es obligé. Tu es obligé. Qui nous a appelés? Qui est mort à la croix pour nous? Viens ici. Ah, tu es obligé. Tu es obligé. Parce que Dieu m'a montré tes œuvres. Viens ici. Viens ici, Lord Jésus. C'est un ordre. Mettez-la. L'autorité apostolique est présente. C'est un ordre que je te donnais. Cette femme servira mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas venir et tu vas la lâcher définitivement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, c'est ton jour. C'est le jour de ta délivrance définitive. Tiens! Maintenant! Jesus. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Ton genou fléchira. Thank you.
Seigneur. Acclame Dieu. Il est Seigneur. Il est sorti de ta mort. Hein. C'est la démonstration ce soir. À genoux. À genoux. Maintenant. Ne la touchez pas. À genoux. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est Seigneur. Tout genou, la Bible dit, fléchira. Tout genou, en commençant par Satan, les démons et les sorciers. Tout genou, Jésus-Christ. Maintenant, à genoux, et le bon sang, Jésus est là. Ah.
Jésus. C'est beau, n'est-ce pas? Jésus. Amen. Asseyez-vous. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Il est là, il est là, il est là. Jésus est là. Seigneur demande aux gens de ne pas douter. Je vois, vous murmurez, je vous entends, hypocrite, l'homme hypocrite, vous êtes hypocrite, vous êtes hypocrite, mais sachez que je vous vois. Aussi loin que vous vous cachez, je vous vois, je vous vois, je vous vois. Vous montez aux anges et à moi, vous n'allez pas me mentir à vous, à moi, vous n'allez pas me mentir, vous n'allez pas me mentir, mais répondez-vous, car je viendrai vous frapper de mort, je viendrai vous frapper de mort, car vous vous doutez, vous murmurez, je vous vois, je connais vos pensées, je connais vos cœurs. Gare à vous, car je suis l'Éternel des armées, le Dieu puissant. Je suis le Dieu puissant, je suis le Dieu puissant. Attention, prenez garde, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Dieu parle avec précision. Amen. Oh, les gars. Holy, 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 holy is the Lord. Vous savez, ces choses-là, beaucoup ne les voient pas. Alors il y en a, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment voulez-vous que les gens croient en Dieu? Parce que Dieu, on ne le voit pas. On le voit au travers de sa parole, de ses œuvres. C'est ça le Seigneur. C'est ça l'évangile. C'est ça la puissance de Dieu. Ma sœur, tu vas avoir une vie de sainteté, une vie épanouie. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur change ta vie. Change ton histoire au nom de Yeshua. Va et garde ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Voyez la puissance de Dieu. Voilà. Et gratuitement. Est-ce qu'elle a jeûné pour être délivrée? Voilà. On vous dit non, il faut combattre, 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 combattre. Non, démon ci, démon ça. Les démons ont peur de la puissance de Dieu. Ils ont peur. Vous savez, je vous dis une chose. Ceux qui marchent dans la sanctification, quand ils prononcent le nom de Jésus-Christ, il y a des ondes. Vous savez, quand on parle, il y a l'écho. Donc, ça balaye toutes les puissances des ténèbres sur plusieurs kilomètres. Jésus, là, que qu'on invoque. Hein? Jésus? Les gens s'assemblent pour me tuer. Vous voyez comment ils s'organisent, non? Ils pensent que je suis seul. Vous avez vu, elle a dit quoi? Il y a quelqu'un là. Il est là. Oui, ouais, non? Là, il est toujours là, il dit, ne touchez pas. Jésus, je n'ai jamais vu une beauté pareille. Quand les séraphins au ciel prennent leur harpe, là, ils se mettent à jouer. Ils voient les yeux de Jésus-Christ, ils ne peuvent pas les fixer. Ils sont comme ça. Tu es beau. Tu es nanana, nanana. Jésus, tu es nanana, nanana. Tu es excellent. Il joue. Nanana, nanana, nanana. Tu es le Dieu que j'adore. Jésus, tu es le Dieu que j'adore. Tu es le créateur de ma vie. Jésus. Waouh! Et quand tu chantes comme ça là? Il y a des éclairs.
Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Inclinez-vous à genoux. À genoux. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus est là. Yeshua. 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 Wow.
caché ta face, Seigneur. On nous a caché l'évangile pur. Waouh! 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 C'est beau. Il est magnifique. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Oh oui, tu peux l'adorer. Tu peux danser dans sa présence. L'exalter. Le magnifier. Seigneur, que tu chasses les démons encore, que tu guéris, que tu pars, Seigneur. Oh, excellent, merveilleux. Lui un coucou. Oh Seigneur, merci. Wow. Bien, jeune homme. Jésus l'a délivré de la sorcellerie. Fini ta maladie là. Il peut guérir les sorciers. Il peut guérir les maladies. Il peut guérir les sorciers. Alléluia. Oh yeah, yeah, ça va venir. On est fatigué, hein, n'est-ce pas? C'est pas facile, je sais. Mais après, vous allez bien vous reposer, il n'y a pas de souci. Amen. Alors, c'est pas évident parce qu'il y en a qui ont fait de la route. C'est dur. Et le Seigneur libère, veut libérer son peuple. Cette maladie est brisée. Cette chose, c'est fini. Tu vois, non? La restauration. Dieu brise la puissance de la maladie, la puissance du cancer. Dieu renverse l'œuvre de l'ennemi dans ta vie, au nom de Yeshua. Oh. C'est beau. C'est beau. Le Seigneur dit à ceux et à celles qui avait fait marche arrière, c'est le temps de rentrer dans l'arche. C'est le moment de revenir et définitivement, car la trompette, la dernière trompette va retentir. Et bientôt, les saints vont partir. Vous savez pourquoi le Seigneur déverse sa puissance comme ça? C'est pour nous montrer qu'il est l'heure. C'est tout. Cette puissance, c'est pour nous nettoyer, pour le grand départ. Nous allons demeurer avec le Papa, notre Papa céleste, pour l'éternité. Nous verrons son visage tel qu'il est. Nous verrons ses yeux. Nous le verrons face à face. Face à face.
Il est l'heure que les fils et les filles prodigues reviennent à la maison du Père. Il est l'heure que la jeunesse se serve de la parole du Seigneur pour utiliser la parole pour se sanctifier. Ton amour, et une onction sur moi là. Ton amour, ton amour, ton amour. Ton amour. Na, 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 na. Oh. Tu peux le dire là. Tu veux quoi? Je veux que vous priez pour moi. Pourquoi? Parce que je veux servir Dieu. J'arrive pas. J'écoute toujours la musique du monde. Wow. Confession. Ça, c'est le réveil. Alléluia. D'elle-même, elle s'est levée. Elle veut abandonner la musique du monde. Wow. Ça, le réveil. C'est le réveil. Ça commence. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans. 14 ans. Wow. Lève ta main. Oh, la puissance de Dieu vient sur toi maintenant. Et cette chose s'en va. Cet esprit te quitte au nom de Yeshua. Sors d'elle. Oh, Jesus. Quitte cela. Jesus. Oh, ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort, ça sort. Ça sort là, ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort, ça sort au nom de Yeshua. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Oh, Jesus. Wow. C'est beau, mon Dieu. C'est fini. Fini. Oh. Je dis merci. Le réveil arrive dans ta famille. Dans ta famille. Oh, tu vas beaucoup exhorter les jeunes femmes. Il y a vraiment quelque chose de nouveau sur toi. Tu vas avoir ces enfants-là. C'est bon, c'est réglé.
il y a une espèce de pieuvre qui est sur la tête de quelqu'un. Des migraines depuis des années. Ta tête, c'est comme si elle n'est plus ta tête depuis très longtemps. Il y a quelque chose, c'est un esprit qui se trouve là. Cet esprit, je parle, il y a des personnes concernées, la puissance de Dieu vient sur vous là. Ça sort, ce sont les démons là. Ça va quitter comme des pieuvres là, ça va sortir, sortez, quittez cette tête. Quittez cette tête. Les esprits là, ça va provoquer, ça veut provoquer la folie. Ça veut provoquer la folie, ça sort maintenant, je donne l'ordre à ces choses. C'est comme des pieuvres là, le Seigneur est en train de les arracher, maintenant ça sort. Voilà, ça sort. Amène-moi ce jeune homme là, amène-le-moi, acclame le Seigneur, ça sort. Sortez! Ça, c'est une malédiction qui lui a été envoyée là. Un démon en forme de pièce. La première fois que je vois un démon comme ça, attaché comme ça, accroché à sa tête. Le frère là, il est dans la vérité. Il est avec Dieu, il est avec Dieu. C'est Dieu qui l'utilise, il est avec Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Que ton nom soit loué. J'habite pas ici, j'habite en Bethany. Je suis arrivé à Évry et du coup, il y avait personne qui m'a. Quand je suis arrivé, j'ai vu personne. Du coup, j'ai dit à Dieu, comment je vais faire pour arriver ici? J'ai vu l'adresse et je suis arrivé. J'étais pas en voiture. Je suis arrivé à la gare, j'ai demandé, il y avait personne qui m'a orienté. Du coup, j'ai vu un gars qui m'a ramené jusqu'ici. Donc là, vraiment. Je félicite Dieu, je lui dis vraiment Dieu, vraiment je te remercie. Alléluia. Jesus. À partir d'aujourd'hui, Dieu te restaure totalement au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Et Dieu te donne un passeport international pour pouvoir voyager et prêcher l'évangile. Maintenant, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Un passeport. Ah oui. Je laisse le monde pour te suivre, oh Seigneur. Je suis dans l'impudicité. Oh, je suis dans le mensonge. Oh Père, je laisse tout pour te suivre. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur, Père, je laisse tout. Alléluia. Ça, c'est le réveil. Alléluia. Oh, alléluia, oh, 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 alléluia, eh, eh. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, eh, eh. Amen. Oh, alléluia. Alléluia, amen. Jésus, je t'aime. Tu es mon roi, tu veux te louer. Alléluia, amen. Jésus, je t'aime. Tu es mon roi. Je veux te louer. Alléluia, amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia, oh. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. Tu es de l'hôpital là. Je sors de l'hôpital encore. Ça marche tout le ventre. On dit qu'il y a des plaies, mais on ne voit plus rien. Tout le ventre. Ça me bouffe. Ça me bouffe tout le ventre. L'estomac, ça gonfle partout là. Oh, pasteur, tout ce que vous aviez.
vient du ciel, la vérité, 15 ans. Amen. Jésus dit la vérité. Amen. C'est pas moi, c'est Jésus. Oh, alléluia. Amen. Là, tu es guéri là. Guéri. Pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Par rapport à tout ce que ma famille a fait, c'était déjà la fin. Et une toux m'a ramassé depuis 1 ou 10 jours. On ne sait d'où ça vient. On a fait tous les examens jusque-là. Tout le ventre, ça boudon. Comment un pasteur peut dire ça? Que par rapport à ta famille, par rapport à ce que ta famille a fait, le mois de décembre c'est fini, tu vas mourir. Mais ça c'est quoi là? On est en janvier maintenant. Ma sœur, allez, suis-moi. Suis-moi. Alléluia, hosanna.
regardez comment elle marche maintenant. J'avais vu un démon comme ça. Je vous ai dit, non? Dieu m'a montré. Assis comme ça. Le pape a eu sa BGC. On m'a envoyé la photo. Vous ne l'avez pas encore vue? Un même propre comme ça. Là. Au Vatican là-bas, ceux qui sont appelés par Dieu, véritablement, ils vont sortir. Ils vont quitter le Vatican pour servir Jésus. Il a eu ça comme ça. Là. Qui a la photo là? Au bas. La photo est où là? Regardez comment il a reçu sa Bible. L'évangile doit être annoncé à toutes les créatures. C'est prophétique, hein? Si ce pape a reçu la BGC là, c'est prophétique. C'est-à-dire, au cœur même de Babylone, le message va. Regardez comment il a reçu sa BGC. Et la sœur qui prie avec nous est allée jusqu'à là-bas évangéliser. Vous avez vu? Il reçoit sa BGC. Nous devons évangéliser tout le monde. Alléluia! Ouais. Vous avez vu? Il a reçu sa BGC là. La sœur est en train de lui remettre la parole. Oh, l'évangile est comicuna. Le pape reçoit sa BGC. L'évangile arrive partout. Alléluia. Amène ça, s'il te plaît. Laisse-moi adorer mon Jésus. Le Vatican. Ouais. Alain, le Seigneur a dit, allez prêcher la parole à toute la création. Alléluia. Dieu a vaincu le diable. Que les catholiques qui cherchent Dieu rencontrent la vérité au nom de Jésus. Remis en main propre, elle a sur la photo, hein. Cette Bible est une sœur qui était musulmane. Dieu l'a touchée. C'est une femme de feu. Elle s'est dit non, 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 on ne doit pas garder l'évangile pour nous seulement. Elle est allée jusqu'à Rome. Elle est rentrée là-dedans avec Jésus. Elle est tenue. Le message arrive là-bas. 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 Le message arrive. Son nom, celui qui est capable.
capable de rassembler tout le monde. Les Gabonais, les Congolais, les Brazzavillois, les Quinois, les Ivoiriens, les Camerounais, les Maliens, les Béninois, les Français, les Belges, qui peut les rassembler? Son nom, les riches et les pauvres, son nom, c'est qui peut les réunir? Son nom, c'est Jésus. Oh, quel est son nom? Son nom, c'est Jésus. Les Mauriciens, son nom, c'est Jésus. Les Réunionnais, son nom, c'est Jésus. Les Maghrébins, son nom, c'est Jésus. Les Métisses, son nom, c'est Jésus. Les Petits, son nom, c'est Jésus. Et les Géants, son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Oh, son nom, c'est Jésus. Les médecins, son nom, c'est Jésus. Les avocats, son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Et son nom, c'est un chant Jésus. Nouveau. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Les enfants, son nom, c'est Jésus. Les vieillards, son nom, c'est Jésus. 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 Amen. C'est Jésus. Quand David m'a envoyé la photo, c'était avant-hier. Il m'a appelé d'abord. Il me dit, devine qui c'est qui a reçu la BGC. Je lui dis, je sais pas. Il me dit, le pape. Je lui dis, t'es sûr de toi? Il m'envoie la photo, je regarde, je lui dis, non, là, j'ai manqué de foi. Que Dieu me pardonne. Je ne suis qu'un homme, hein. Amen. Ensuite, il l'appelle pour vérifier. Et on dit, mais c'est la sœur Intel. Elle est là, non? Elle n'est pas là? Elle n'est pas encore. Elle est rentrée ce matin. On m'a dit, c'est la sœur Intel. Elle est allée jusqu'à la barre. Je dis, waouh! Et on la voit sur la photo. On voit dessus la BGC. Elle est en train de donner. Et le monsieur, il prend. Comme il a pris là. Je prie que quelqu'un, mon Seigneur là-dedans, là, qu'il découvre qu'il y a le Seigneur des Seigneurs. Qu'il découvre que Marie, on ne doit pas l'adorer. Qu'il y a un seul médiateur entre le Père et nous. Yeshua, c'est lui seul. Il y avait des gens qui avaient reçu le songe. Il y avait des gens qui m'avaient dit, frère, la BGC va arriver jusqu'au Vatican. Je ne vous cache pas. J'ai manqué de foi aussi. Que Dieu me pardonne. Nous ne sommes que des hommes. Bah oui. Moi, je n'ai pas des ailes, hein. Je ne suis pas un ange. Je n'ai pas d'ailes. Parce que là, on a tendance à croire que je descends du ciel. Non. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'est prophétique. Des présidents ont reçu leur BGC. Il y a des présidents qui nous ont envoyé leurs remerciements. Je vous dis, je vois déjà la queue de certains présidents dans les coulisses, comme Naaman pour demander la guérison. Monsieur le président, il n'y a pas de problème. Mettez-vous à genoux. C'est pas moi qui vais forcément prier. Elle dit, mon frère Alain, il est là, mon frère Gérard, ils sont là. Venez un peu là. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu. Je vois déjà des francs-maçons qui viennent. Comme mon frère Paul qui était franc-maçon. Ils vont dire, nous avons cherché le grand architecte. On a eu des cancers. On n'a pas été guéri. Mais nous suivons sur tes vœux de vie. Nous regardons ici sur notre chaîne chrétienne. On voit ce que Dieu fait. Alors nous sommes venus avec nos suites, hein, royales. Je vois déjà quelques ministres, hein, qui viennent. Hein. Je vois des députés qui font la queue là. Je vois des sœurs qui sont là, qui vont commencer à recevoir certaines. Oh, je vous dis. Vous allez voir, on va vous appeler comme ça. Ça va sonner. Allô, oui, vous êtes Marie-Louise? Oui. Ici, la présidence de la République.
ne vous inquiétez pas parce que la femme du président a besoin de vos prières. Vous allez voir ça. Vous croyez pas? Vous allez voir. Les frères de la Martinique, frères et sœurs de la Martinique, Guadeloupe, les îles, vous allez recevoir des coups de fil. On vous dira, c'est le président de la région. Mais qu'est-ce qui se passe? Venez prier pour moi, parce que j'ai touché à la sorcellerie, au vaudou, je vais mourir, on veut me tuer. Venez prier pour ma maison, parce que je vois des choses qui bougent. Tu vas prendre un frère et une sœur, allez. Alléluia, amen, alléluia, oh. Tout lieu que fout la plante de pied, Jésus me l'a donné. Vous allez voir ça, c'est des prophéties. On déclare ces choses-là. Celle qui est portée donner la Bible au peuple, est-ce que c'est un prophète? Est-ce qu'elle a été reconnue apôtresse ici? C'est des gens comme vous. Dis à ton voisin, ne te laisse pas minimiser. Ne laisse personne te minimiser. Ne te minimise pas. Voilà. Une femme de Dieu. Pendant que les autres sont là seulement Babylone, 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 elle se dit, l'évangile c'est la pratique. Pratique. Il y en a ici, ils vont aller voir des imams. Je vous dis, je vois des bars qui se transforment en lieu de prière. Il y a ici là, cette année là. Il y en a, Dieu va venir chez eux lui-même. Il va leur dire, faites vos valises, rentrez au pays. Tu ne vois pas que tu... Tu ne comprends pas que tu t'ennuies ici là. Tu ne vois pas que tu t'ennuies là. Tu tournes en rond depuis quelques années. T'as pas compris? Non, c'est pas que quelqu'un t'a bloqué. C'est parce que ta mission ici est finie. Dieu a voulu que tu viennes à métropole. C'est pour être formé. Tu repars avec un manteau. Un manteau. Voici le feu. Aidez-les. Acclame Dieu pour sa puissance. Waouh. Oh, Dieu est bon. Regardez. Il y en a. Ils vont rentrer au village. Ils vont rentrer au village. Quand ils vont arriver dans leur village, tous les sorciers vont amener leur gris-gris. Je vois des grands feux. Vous brûlez ces gris-gris-là. Je vous dis ici, là. Je vous dis. Vous savez pourquoi Dieu a voulu que vous soyez en France, là? Il y en a, c'est juste pour recevoir ce message. Il y en a, ils vont commencer à faire beaucoup de missions dans leur pays. D'autres vont aller dans toutes les provinces françaises. Ici. Ouais. Il y en a ici qui pleurent parce qu'ils souffrent. Ils sont brisés. Ils sont travaillés en profondeur. Il y en a qui ont reçu des visions pour les veuves. Pour les orphelins. Il y en a qui ont reçu des songes. Il y en a qui ont reçu la mission. Vous allez partir, aller au pays de votre femme. Au nom de Yeshua. Oh, Maurice. Vous allez vous installer là-bas, là. À Maurice. Voilà pourquoi Dieu me dit, il a mis sur ton cœur ce fardeau, là. Il y a ce fardeau pour les âmes, là-bas, là. Il y a ce fardeau qui pèse sur toi, là. Au nom de Yeshua. Dieu t'a surpris là-bas. Dieu t'a étonné. La manière dont les gens étaient bénis, Gérard. Toi qui étais timide, le Seigneur te dit, je veux me servir de tes mains pour guérir les malades. Pour guérir les malades au nom de Yeshua.
la puissance de Dieu. Jesus, alléluia, Jesus. Oh, alléluia. Le réveil arrive dans ta famille. Un puissant vent de réveil, ma soeur, au nom de Yeshua, alléluia. Oh. Ah, ça c'est magnifique. Alléluia. Ça s'appelle. Oh, alléluia. Oh. Les diabétiques ici, là. J'ai vu des anges venir enlever le diabète. Ils sont en train de nettoyer des gens de leur diabète ici, là. Les diabétiques. Des guérisons. Allez faire des examens, là. Allez faire des examens. Allez faire des examens. Cancer. Pareil. Sida. Quelqu'un ici. Ton sida a disparu. Ton sida. Je dis quelqu'un ici. Ton sida a disparu. Ton sida a disparu. Tu ne verras plus ce sida-là. Je dis quelqu'un ici, là, au nom de Yeshua. Oh, le sida est parti au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Tous ceux qui veulent le baptême, venez. Le baptême, venez. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Hein? Tu veux confesser? Oh, magnifique. Tu veux confesser quoi? Alléluia. Je viens demander pardon au Seigneur parce que je n'arrête pas de voler. Ça fait longtemps que je suis en France. Je ne paye jamais le train. J'habite à Château-Thierry, je travaille à Paris et j'ai décidé de ne jamais payer le train parce que je me dis que c'est l'argent de notre pétrole. Je viens demander pardon au Seigneur parce que je n'aimais pas le message. Moi, je n'aimais pas le frère Chora. J'étais dans les autres dénominations. Et chaque fois que je le voyais, c'est quoi ce prédicateur? Il emmène toujours la division, les querelles, son message est toujours contradictoire. Mais vraiment, je me réponds. Aujourd'hui, je sens que c'est la vérité. Je demande pardon. Et le Seigneur, je connais le Seigneur depuis 87. Toujours, une fois de six, je me lève, je tombe, je me lève, je me tombe, je lève, je me tombe. Alors, depuis un mois, certains moments, je suis le frère Chora à la télé. Chaque jour, Dieu vient me parler, il me donne des cantiques. Il me dit, cherche ma face, réponds-toi, je vais t'utiliser. Mais ce que je veux faire dans mon cœur, je n'arrive pas à le faire. J'ai comme une charge qui m'empêche de briller. Vraiment, frère Chora, je te demande pardon. J'ai pris la décision aujourd'hui de servir le Seigneur, prie pour moi. Et je rentre dans les eaux de baptême ce matin. Prie pour moi. Jesus, lâche ma soeur. Au nom de... À partir d'aujourd'hui, Dieu sauve ta famille. Dieu sauve ta famille. Dieu me dit, il te délivre et tu vas t'occuper des veuves. Il y a une onction qui vient briser les chaînes. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Il y a une onction terrible sur elle. Alain, viens sur moi. Viens avec moi. Il y a une onction terrible. Délivrance. 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 Ça sort. Ça sort. Au nom de... Tout l'honneur. C'est fini. Je te pardonne au nom de Jésus-Christ. Oh. Les baptêmes, venez à mes côtés, venez. C'est beau. Voilà une fille d'Abraham que Satan voulait égarer, avait égarée. Et elle est revenue à la maison du Père. Et je la bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. C'est le baptême, hein? Oh, c'est magnifique. 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 Le baptême aussi, jeune fille. T'es déjà baptisée. Oh, c'est là. C'est beau. Prions pour eux. Prions pour eux, que Dieu les remplisse de son onction, de son feu.
Oh, Jesus. Oh, une onction sur elle. Jesus, alléluia. Sois libre. Sois libéré. Sois guéri, sois restauré. Soyez guéri. Une onction sur elle. Sors d'elle. Oh, Jesus. Voilà la puissance de Dieu sur toi. Et de là. Jesus. Voici la puissance de Dieu sur toi. Oh, une onction ici, là. Jesus. Oh, Jesus. Voici la puissance de Dieu. Et de là. Une onction sur elle. Et de là. Sors, sirène. Sors, ma mère. Lâche-la. 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 Jesus. Sors d'elle, toi aussi, sors d'elle. Serpent, sors d'elle, serpent. Allez, sors d'elle. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Dieu t'a béni. Oh Dieu t'a béni. Dieu t'a béni, mon frère. Que j'ai dû commettre des horreurs parce que j'aimerais débuter cette nouvelle année avec une réussite et je prépare mon année pour 2016. Aidez-la, ça sort là, aidez-la. Il y a quelque chose qui sort là. Lâche-la. Sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus. Voilà. Sors. Oh, c'est fini. Allez au baptême. Suivez. C'est bon, c'est réglé. Julien. Suivez Julien pour le baptême. Suivez Julien. On acclame le Seigneur pour leur vie. Ok. Tu veux témoigner, tu étais catholique? Oui. Non, j'étais catholique, j'étais à la chorale. Mais j'ai ressenti que, en fait, il n'y avait pas la vérité. Tout était hypocrite. On criait des prières pour louer je ne sais qui. Je ressentais cela. Et il y a ma co-épouse, donc la femme de mon frère, qui m'a approchée, qui m'a dit qu'elle voulait m'enseigner la vérité. Donc j'ai été ouverte à ça, mais je ne croyais vraiment pas à l'existence de Dieu, à la vraie existence en fait. Parce que nous, on lit l'évangile, mais comme vous avez dit aujourd'hui, on veut la pouvoir, la puissance. Je ne suis qu'un être humain. Je ne sais pas si c'est un péché de ne pas vraiment croire. Je croyais, mais pas vraiment. Je ne sais pas comment expliquer. Mais aujourd'hui, à travers la maman qui était malade et qui a fini en dansant, vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu. Je l'ai remercié de m'avoir menée ici. Parce que, d'abord, même pour sortir de la maison, c'était compliqué. J'ai dû fuir. Et je me suis retrouvée ici. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu. Parce que j'ai senti aussi, parce que j'ai commencé à regarder vos vidéos grâce justement à ma co-épouse. Et j'ai senti que c'était un message vrai. Elle m'a donné une BJC que j'ai commencé à lire et à suivre aussi parce que je suis très sceptique. Beaucoup de diplômes, hein, on se pose toujours beaucoup de questions. Et avec Dieu, on ne doit pas se poser des questions. Je m'en suis rendu compte que quels que soient les diplômes, Jésus est au-dessus de tout. Jésus, il est Dieu. Jésus, Jésus est capable de tout faire. Je m'en suis rendu compte et j'ai toujours demandé à Dieu de m'envoyer un message, de m'envoyer des messages pour me montrer qu'il est avec moi. Parce qu'au fond de moi, je sens qu'il m'appelle, mais je ne sais pas trop comment faire. Donc vraiment, je rends grâce, je remercie Dieu de m'avoir fait cette grâce. Vraiment, je le remercie grandement. Vraiment, je sais qu'avec lui, je pourrais traîner avec moi les membres de ma famille parce que je veux qu'ils soient tous sauvés. Ils sont aussi catholiques, mais catholiques fervents de l'Église. Et ce ne sera pas facile. Mon mari aussi. Ma famille ne sait pas que je suis mariée, mais mon mari aussi. Si vous regardez, ben voilà. Comment tu te sens là aujourd'hui? Vraiment, je sens que Dieu me répond tous les jours, mais c'est moi qui ne veux pas comprendre. C'est moi qui me vois. Et aujourd'hui, à travers les miracles que Jésus-Christ a permis, vraiment, je sais qu'avec Dieu, au moins, on peut espérer. On peut vraiment se livrer, on peut
se sentir nu devant Dieu et rien ne pourra nous attraper. Je lui demande juste maintenant d'être avec moi tous les jours, de me montrer la tâche que j'ai accomplie cette terre, parce que je sais depuis longtemps que j'ai, je ne sais pas comment, mais je sais que j'ai une œuvre à accomplir pour Dieu. J'aimerais juste qu'il me parle maintenant et qu'il me montre son œuvre. Je vais réagir. Alors on va prier pour toi. Vous voulez qu'on prie pour elle? Prions, prions pour elle. Oh, quelle déclaration d'amour. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Que ma sœur soit libérée. Voilà. Qu'elle soit libérée de toute cette souffrance, de tous ces rejets. Tu as été beaucoup blessée, beaucoup rejetée, beaucoup critiquée. Beaucoup. Ton cœur a été beaucoup meurtri. Tu t'es beaucoup retrouvé seul, isolé. Pourquoi toi, tu te disais, pourquoi toi, pourquoi subir cela, qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur te dit qu'il t'appelle. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Oh, un nouveau départ. Jesus. Tu vas aider beaucoup, beaucoup de personnes. Il va y avoir des réconciliations. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Des réconciliations. Oh, Jesus. C'est réglé. Cours au baptême maintenant. Oh, c'est beau. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, je veux donner mon cœur à Jésus. Oh, quel âge as-tu? 15 ans. Waouh. La puissance de Dieu. Oh, que l'ennemi retire sa main de ta vie. Qu'il s'en aille maintenant. Non, Yeshua. Cet enfant servira le Seigneur. Tu ne peux pas la détruire. C'est fini. Oh, Dieu me dit de te dire qu'il est désormais ton père. Le père. Oh, Dieu me dit, dis-lui, parce qu'elle a besoin de cet amour, l'amour du Père. Jesus. Oh. Et tu sais que le Seigneur, pour les études, là, il te donne l'intelligence, là, aussi. Tu en as besoin pour les études, parce que c'est compliqué, les études, là. Le Seigneur ouvre ton intelligence, jeune fille, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Oh, c'est beau. C'est beau. Tu veux quoi? Je veux que Jésus, je vais être baptisé, et je veux que... Tu veux être baptisé? Il veut accepter le Christ. Oh, il veut accepter le Christ. Amen. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans. 18 ans. Jesus Christ. Oh, je suis vraiment dépassé là. Je suis vraiment dépassé. Jesus. Oh, regardez-moi ce jeune homme. Il sort tout droit du monde. Jesus. Cours au baptême là-bas. Tu veux quoi? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a une femme qui était délivrée de d'un esprit de mari de nuit. Enfin, c'était moi. Et j'ai un souci parce que ça fait 3 fois que le Seigneur prophétise sur ma délivrance. Et le mari de nuit part, il revient. À chaque fois, c'est comme ça. Et, à la fin, viens nous voir. À la fin, on va prendre rendez-vous avec toi. Ça va? Tu rentres quand? Demain. Demain. À la fin. Ne pars pas, on va parler avec toi. D'accord? Tu vas aller voir Jean qui est là. Wow. Touchez là où vous avez mal. Les malades, touchez là où vous avez mal. Il n'y a pas forcément besoin qu'on vous touche. Là où vous avez, s'il y a une maladie là, si c'est une maladie, incurable ou du sang, vous mettez seulement votre main sur votre tête, je ne sais pas, peu importe l'endroit où vous pouvez poser la main. Oui? Le Seigneur est celui qui va vous guérir. C'est lui qui vous guérit. Seigneur, tu nous as dit que en ton nom, nous chasserons les démons et les malades seront guéris. Nous croyons, Seigneur, que tu n'as pas changé. Nous commandons à toutes ces maladies de sortir de ce corps maintenant au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Que toutes ces personnes soient guéries au nom de Yeshua.
Maintenant. 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 Si c'est un problème des yeux, vous touchez vos yeux. Cataracte, tout ça là. Au nom de Yeshua. Si c'est la stérilité, vous touchez votre ventre. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Nous commandons à toutes les maladies. Nous commandons au nom de Jésus-Christ à toutes les maladies de sortir de ces corps. Nous ordonnons, nous brisons tous les liens de l'enfer. Le Seigneur dit qu'il est celui qui guérit. Il est celui qui guérit. Toi qui as été condamné, toi qui es obligé de prendre plusieurs médicaments, tu n'en peux plus. Tu es fatigué. Cette maladie te ronge. C'est comme un feu dans ton corps. Tu n'en peux plus. Tu es venu de loin. Tu es venu pour demander de l'aide au Seigneur. Le Seigneur pose sa main sur toi. La maladie remonte. La maladie s'en va. La maladie remonte. La maladie s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. C'est une maladie mystique. Toutes les maladies mystiques. Je dis toutes les maladies mystiques. D'abord les maladies d'origine démoniaque. Allez, sortez au nom de Jésus. Quittez mes sœurs, quittez mes frères, au nom de Yeshua. Quittez ces corps, repartez d'où vous venez, dans les lieux arides, au nom de Yeshua. Toutes les maladies d'origine viscérale, tout ça là, au nom de Yeshua, pareil, au nom de Yeshua. Fibrome, quelqu'un a été guéri ici de fibrome, au nom de Yeshua. Tu ne verras plus ces problèmes de fibrome, au nom de Yeshua. Un homme a été guéri d'impuissance sexuelle, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Problème de prostate, quelqu'un a été guéri ici. Oh Jesus, pardon. Jesus. Ça va? Voilà. C'est la sœur là, c'est elle là qui a été touchée là. Amène-la moi ici, elle vient ici. Tu veux quoi, jeune fille? Je voulais, bon, ça fait longtemps que j'ai décidé suivre le Seigneur. Il me manque la courage. J'ai la courage et tout, je crois que je dois confesser pour. Voilà. Donc, j'ai fait les avortements. Combien d'avortements tu as fait? Trois fois. Et comment on dit, on est là, adultère. D'accord. Tu es mariée? Tu es sorti avec un homme marié? Oui. J'habite aussi avec quelqu'un et j'ai déjà fait mon salon. Waouh. Bien. Tu veux abandonner le péché, c'est ça? C'est terrible. Hein? Quel courage. Ça, c'est la puissance de Dieu. Lève ta main. Sors. Lâche-la. Sors-le. Au nom de Yeshua. Sors-le. Regardez-moi ce démon. Oh. Cette femme souffre beaucoup. Elle là, on l'a enterrée. On l'a enterré. On a enterré tout ce qu'elle fait. Amène-la ici. L'opération va se faire ici. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors au nom de Jésus. Couvre-la bien. Quand c'est comme ça, on est en prière. Hein? Elle est sortie avec un homme. Et cet homme, wow. À part le fait que sa famille est plongée dans la sorcellerie, il y a aussi un homme avec qui elle est sortie, qui était mystique. Le péché.
Après cette délivrance, là, il faut la sanctification. Sors au nom de Jésus. Quitte ce corps. Voilà. Démon. Il y a plusieurs démons là-dedans. Vous avez vu ça? C'est un serpent terrible. Un énorme serpent. On l'a enterré dans un cercueil, on l'a enterré. Tout ce qu'elle fait ne doit pas marcher, tout ce qu'elle fait ne doit pas réussir. Jesus. Allez, go. Vous voyez comment les gens souffrent? Vous voyez, non? Ça va aller. Je t'aime beaucoup. Les conversions arrive, des visitations arrivent dans ta famille. Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur me dit de te dire que tu es son ambassadrice. Tu vas beaucoup marcher pour le Seigneur. Ma soeur, Dieu t'aime beaucoup. Sois fortifié. Oh. C'est fort. C'est beau. Qui a reçu une guérison dans son corps physique aujourd'hui? Qui a reçu une guérison dans son corps? Une douleur au niveau du dos? Qui? Tu as été guéri aujourd'hui? Hein? Tu avais mal au niveau du dos aujourd'hui? C'est parti? Lève-toi alors. Touche là où tu avais mal. C'est vraiment parti. Il n'y a plus rien? Alors on acclame le Seigneur pour lui. Qui d'autre a été guéri par le Seigneur? Oh, merci Seigneur. Qui porte une ceinture pour son dos là? Qui veut recevoir une guérison et dormir normalement? T'as la ceinture avec toi? Hein? T'as mal au dos là? Touche ton dos. Oh Seigneur, merci pour cette guérison au nom de Jésus. C'est quoi? Hein? Il fait des crises? Quelle crise? Épilepsie? Wow. À cet âge-là, les gens, c'est une souffrance terrible. Vous pensez que le Seigneur peut le guérir? Qui croit que le Seigneur peut guérir cette personne? Oh, démon. Quitte cet enfant. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Sors de ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es baptisé par immersion dans l'eau ou catholique? Dans l'eau. On a pratiqué de la sorcellerie contre lui, on a pratiqué du vaudou contre lui. On a sacrifié un oiseau. Seigneur, merci pour cet enfant. Souviens-toi de lui. Au nom de Yeshua. Maman est où? Ça va aller. Ça va? Vous connaissez des gens qui pratiquent le vaudou dans la famille? Venez. Oui. T'as mal au ventre? Là, t'as mal au ventre? Oui, depuis j'ai mal au ventre. Depuis quand? Mais quand j'étais partie là-bas, ça marchait. Oh, touche ton ventre. Jesus. Tu penses que le Seigneur peut te guérir? Oh, Jesus. Quitte cet enfant au nom de Jésus-Christ. Jesus. Fais ça, mon Jésus. Fais comme moi. Jesus. Encore? Jesus, encore. Ça va?
encore. Oh, alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Va là-bas, tu reviens. Comment tu te sens là? Un peu mieux, hein? Ah bah oui, le Seigneur est bon. Un peu mieux. Tu restes à mes côtés là, ça va aller mieux. C'est bon, pour le petit, c'est bon. Oh, oh. C'est quoi le problème? Là, vous avez mal au dos encore? Ah bon, depuis combien de temps? Ça fait des années. Des années. Vous pensez que tu peux la guérir là? Tendons nos mains vers elle alors. Nous sommes l'église, on peut prier pour elle. Jesus. Rafika, tu peux toucher son dos là, c'est vrai. À prier pour elle. Est-ce qu'il y a Claude ici? Claude. Que je ne connais pas. Claude. Au nom de Yeshua. On me parle de Claude. Qui est beaucoup en souffrance. Il y a quelqu'un dans ce cas-là qui nous regarde. Alors, Claude, le Seigneur veut vraiment lui accorder sa grâce au nom de Yeshua. Oh, merci Seigneur. Ça va? Dieu est bon. Oh, ben, tu peux maintenant faire des mouvements, des gestes que tu ne peux pas faire au nom de Yeshua. Jesus. Oh mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh. Tu nous as connus comment, un peu citoyen, tu nous as connus comment? C'est-à-dire que vous avez Lionel et Martine qui habitent à Angoulême, à côté. Oui. D'accord. Vu là-bas, ok, d'accord. C'est ta fille? Tu veux quoi? C'est que je voudrais abandonner la musique du monde. Je voudrais donner ma vie au Seigneur. Je voudrais aussi convertir mes amis pour eux. Et mon père aussi. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Lève tes mains, on va prier pour toi. Oh, Jesus. Oh, c'est beau. C'est beau. Oh. Oh, c'est beau. Rodi, viens prier pour elle, s'il te plaît. Oh, alléluia. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Jesus. Oh, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oh, c'est beau. On va prier pour toi encore. Alors, notre patiente. Ça va? Donc, toi, tu as dû manger quelque chose. Tu as mangé quoi? Ben, j'ai mangé des sandwichs. Après. Un peu de bonbons? Oui. Un peu de bonbons? Oui, et du jus. Du jus et de bonbons aussi? Ah. Un peu de bonbons, non? Si. Mais ben, c'est tout ça. Tout ce mélange-là, un peu. Là. Hein? Alléluia! Ce n'est pas un démon, là, c'est ce qu'elle a mangé. Il faut le discernement, n'est-ce pas? Voilà. Vous êtes malade, là? Vous êtes malade? Eh ben, le Seigneur, vous touchez vous-même là où vous avez mal, ça va aller. Le Seigneur va s'occuper du reste. Oh ouais, ça a beaucoup gonflé, là. C'est depuis combien de temps c'est comme ça, là? 5 ans. 5 ans que c'est comme ça? Problème de circulation, là.
Le diabète, ouais. Ah ouais. Regardez-moi ça. Tu peux pas soulever tes mains, tes bras? Wow. Tu peux pas non plus te mettre à genoux. Oh, les jambes aussi, là, mais ça, elles gonflent de partout, là. Mais beaucoup souffrent. Hein. Ramasse ça pour pas que quelqu'un vienne le... À Évry, une sœur est allée pour prendre ça à quelqu'un. Heureusement qu'il y a une femme idolâtre. Là. On l'a attrapé. Voilà les gens qui veulent nous expédier au ciel. Là. Vous pensez que Dieu peut la guérir là? On va prier pour elle. Les autres, c'est pas la peine de venir. Hein. On a déjà prié. Ça, c'est bon. Le Seigneur a déjà tout accompli. Alain, mon frère Charles est où? Il est parti? Mon frère Charles, avant que tu ne prennes ton avion, on va prier pour cette dame. Son diabète là, va disparaître. La polyarthrite, il y a des noms bizarroïdes. Hein. On ne peut pas soigner ça. Mon pays, j'ai été obligé de venir ici pour ça. Ok, pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous souffrez? Marie-Denis. Tu dors jamais? Tu ne veux pas qu'un homme te touche à cause de ce mari de nuit? Depuis combien d'années? Je ne sais pas. C'est vieux. J'ai été mariée. Je suis divorcée. Je suis partie. Jean va prier pour elle. Ça va aller après. Exactement. Alors, là, cette dame-là est complètement... Oh. On va prier pour elle. Lucien, viens, on va prier pour elle. S'il te plaît. Vous pensez que ce mari de lui peut partir? Charles est où? Viens, on va trouver cette dame. Elle dort jamais. Vous vous rendez compte? Quand un homme vient, elle-même, elle le chasse. Une dame comme ça, quand elle tombe sur un faux prophète, on va lui demander une offrande d'action de grâce, l'offrande du prophète. On va lui demander, je ne sais pas quel type d'offrande. On va la dépouiller parce que déjà elle souffre. Et comme une personne souffre comme ça, là, quand une personne souffre comme ça, elle est prête à tout. Hein. Ah oui. Marie de nuit, quitte ma soeur. Quitte-la. Quitte-la. Voilà. Allez, remonte. Il est là. Il est en train de partir là. C'est une malédiction familiale là. Acclame le Seigneur. Sors! Quitte! Elle va le vomir là. Elle va le vomir, ça remonte là. Sors d'elle! On l'a consacrée à cet esprit-là. À cause de la jalousie, on l'a mariée à cet esprit-là. On l'a condamnée comme ça. On a libéré des paroles et on a fait un pacte pour envoyer cet esprit-là qui est là. C'est quelqu'un aussi de sa famille. Je proclame maintenant, tu remontes, tu t'en vas. Allez, quitte là. Tu vas là. Tu vas la lâcher, lâche-la, je vais pas t'entendre, lâche-la comme ça, lâche-la, voilà, lâche-la. Allez, on va continuer encore à prier, mon frère Charles, on va continuer encore à prier. Je suis malade, 8 ans, maladie de peau. Oh, yo, c'est quelque chose, hein. Les gens souffrent, ils n'arrivent pas à soigner cela, ça prend la tête. Qui pense que le Seigneur peut la guérir? Lève tes mains. Quittez ce corps. Quittez ma soeur. Quittez sa peau. Je dis quittez sa peau maintenant. Quittez sa peau maintenant, notre Dieu. Oh, alléluia, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu vient sur toi là. Brisez cette maladie là, au nom de Yeshua. C'est une malédiction aussi que le Seigneur brise maintenant, au nom de Yeshua. Toi, quitte ce corps, quitte. Oh, Jesus, quitte ce corps, voilà, tu la lâches. Tu lâches ma soeur, lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh là. Viens, mon grand, viens ici, viens. Toi,
Tu veux commencer déjà à faire des délivrances à ton âge? Oui? Non? Il faut attendre encore un peu. Maman est où? Je ne sais pas. C'est bon. C'est bon. Jeune homme, tu veux quoi? Tu veux confesser? Quel âge as-tu? 17. 17 ans, tu veux confesser quoi? L'impudicité. L'impudicité? Waouh! Par exemple, la masturbation. Et en fait, c'était ça qui m'empêchait de réussir avec Jésus, en fait. Parce que tout le temps, j'essayais d'être avec Jésus. Et en fait, à chaque fois, il y avait ce péché qui revenait. J'arrive jamais à m'en débarrasser, en fait. Et j'en ai vraiment marre, en fait. Je veux vraiment abandonner le péché pour me concentrer sur Jésus, en fait. Parce que moi, c'est Jésus que je veux servir. Et j'ai un autre problème aussi, c'est que mon problème, en fait, c'est que j'aime trop les filles. J'aime beaucoup jouer avec le cœur des filles, en fait. J'aime beaucoup jouer avec. Ouais, voilà. C'est, ouais. 17 ans, et il se dit, je veux confesser devant tout le monde entier la masturbation. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça, frères et sœurs. Sors! Quitte-le. Quitte ce jeune homme. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Il dit qu'il aime jouer avec les filles. Il ne veut plus de cela. Oh, Jesus. Il faut parler avec Frère Charles. Prie pour lui, s'il te plaît. Tu veux quoi? Ça va? Depuis un mois? Tu as des absences? Oh, c'est pas normal, ça? C'est passé. Vous avez détecté d'abord l'esprit de l'araignée. Et quand vous êtes passé, depuis cet instant, à l'intérieur de moi, il y a une voix qui dit, qui ordonne à l'esprit de vampire, de sorcellerie, esprit de trouble, de confusion, de sortir. Ok, lève-toi. Sors, oh Jésus. Sors. Jésus. Voilà. Voilà, priez pour elle. Tu veux quoi, jeune fille? Viens. Ça va? C'est juste pour dire pardon à Jésus parce que j'ai menti et j'ai écouté de la musique du monde. Quel âge as-tu? 11 ans. 11 ans. Elle est venue confesser le mensonge à 11 ans au monde entier devant le Seigneur. Oh, Jesus. Oh, c'est beau. C'est bon. Tu peux y aller. C'est réglé. Le Seigneur t'a pardonné. Ça va? J'ai un problème de colère. Quand je me mets en colère, mon mari, il a peur de moi. Waouh! La semaine dernière, il n'a pas dormi à la maison à cause de ça. Et la nuit, quand je dors, des fois, je rêve une femme qui me touche à chaque fois que je me comporte comme ça. Je rêve une femme qui me touche. J'ai des... Ok, je comprends. Avec cette femme. Waouh, bien, c'est chaud. Vous vous rendez compte? Les gens ont des problèmes. Ton mari est là? Il n'est pas venu. Il n'a pas voulu venir. À cause de toi, il ne veut pas de Jésus. Vous pensez que le Seigneur peut la délivrer, là, mes amis, là? Vous êtes là, hein? On finit dans quelques minutes. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Sors! Voilà. Sors d'elle. Je dis lâche-la. Quitte. Sors, démon. Mes sœurs, occupez-vous d'elle. Merci, Seigneur. Colère. Quitte cette femme. Sors d'elle. Toi, esprit impur. Esprit impur. En fait, ce démon veut que cette jeune femme divorce pour devenir lesbie. Voilà, c'est ce que Dieu m'a montré. C'est ça le problème. Chasser cet esprit-là. Ça va sortir. Là. Au nom de Jésus-Christ, mon frère Charles, voilà. On va l'aider. Bon, on a fini. Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Hein? Tu veux confesser? Viens, 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 gloire à Dieu. Tu veux confesser quoi? De confiance. Envers la prophétie et envers ce qui se passe ici. Wow, donc le Seigneur t'a parlé tout à l'heure, la prophétie qui est sortie là. Il faut vraiment avoir la crainte de Dieu, c'est important. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. C'est bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Jeune homme, tu veux quoi, bonsoir? Confesser la masturbation et parce que je reçois aussi des percussions. Les percussions de démons aussi. Ah bon? Elle a trouvé le sommeil. Tu as quel âge? 17 ans.
17 ans. Mais la jeunesse, elle a vraiment pollué par... Hein, 4 mois. 4 ans, ça dure. Waouh. La masturbation depuis 4 ans. Tu veux arrêter. Oh, Jesus. Vous voyez comment elle souffre, là. C'est terrible, ça. Vraiment. C'est terrible. Jesus. Tu sais, on va prier pour lui. Waouh. Ça va, toi? Tu te sens épuisé? À chaque fois que je veux me rapprocher encore de Dieu, je me sens... C'est trop lourd, j'en peux plus. Et c'est partout pour ma vie. C'est incroyable, je suis épuisée. Mais... Il y a quelque chose qui va sortir. Là. Oh. Les hémorroïdes, quelqu'un ici. Le Seigneur l'a guéri, les hémorroïdes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi? Ouais. Oui. C'est quoi? Bon, ne venez plus, c'est bon. Là, vous êtes, c'est la foi. Ok, ok, toi qui venais là, viens, viens vite. Voilà. On arrête là. Oui, 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 viens, jeune fille. Ça va aller. Au nom de Yeshua, alléluia. Oh, une onction sur elle. Jesus. Lâchez-la. C'est une parole qui a été libérée contre elle. Là. Ça sort là. Ça sort là. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Chassez. Chassez-moi cette chose là. Chassez-moi cette chose là. Qui veut la détruire. Parce qu'il y a un appel sur sa vie là. Cette chose veut la détruire. Tu remontes et tu sors. Tu remontes et tu sors. Allez, tu remontes. Tu remontes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Tu remontes d'elle au nom de Yeshua. Alléluia. Tu vas partir. T'es obligé. Tu es obligé de sortir, tu m'entends? Oui, tu es obligé. Si, tu es obligé, tu es obligé, tu es obligé. Tu t'en vas au nom de... Si! Allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors, au nom de Jésus. C'est ça, chassez-moi ce démon-là qui bloque. Tu veux quoi? Comment ça? En fait, depuis tout à l'heure, je sens quelque chose qui doit sortir de moi et je me retiens. Et tout à l'heure, vous avez dit que j'ai quelqu'un qui a honte, en fait, de venir et je fais partie de ces gens-là. Et depuis, en fait, je sens du feu, en fait. Tu sens du feu? Non, méchant, en fait. Dans tes jambes? Et c'est en train de brûler. Plus je reste assis et plus ça me brûle. Oh, lève tes mains, lève tes mains. Ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. Quitte-la. Voilà. Sors, mon Dieu. Sors, sors, sors. Quitte cette jeune fille. Sors d'elle. En fait, on va prier pour elle. Tu veux quoi? Tu veux demander pardon, Seigneur? Oui. Mais en fait, il y a quelques jours, en fait, j'ai reçu des attaques chez moi. Et après, j'ai pleuré la nuit, j'ai prié le Seigneur, et en fait, j'ai reçu un songe où on me disait comme quoi, oui, mais il y a deux avortements dans ta vie. Et donc, je voulais demander pardon au Seigneur. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Merci, Seigneur. C'est bon. C'est quoi, tu voulais? Jeune homme, tu voulais passer aussi ici? Waouh. Oh, Jesus. Oui. C'est l'esprit de Marie de nuit. Marie de nuit. On va prier, on va prier. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je veux seulement que ces pensées, des pensées impures là, qui en se rentrent dans ma tête et j'arrive pas à me concentrer sur Jésus-Christ. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans, waouh, bien. C'est beau hein, de voir des enfants comme ça là, se tourner vers le Seigneur. Hein? Oh, Jesus. Tu vas beaucoup sur Internet? Non. Les jeux? Tu as arrêté, hein? C'est bien. Et je continue des fois. Lâche. Sors, démon. Sors. Quitte ce corps. Je dis quitte. Quitte-le. Voilà. Sors, sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Tu remontes et tu sors. Tu remontes et tu sors comme ça. Cet enfant servira le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. C'est bon. Ça va mieux? Ça va aller? Le Seigneur est au contrôle. Ça va aller. Que toutes les femmes déclarées stériles puissent concevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous accompagne véritablement.
À part les baptêmes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus-Christ? Oui. Venez, quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus et qui n'a pas eu le temps, qui se disait avant la fin, Seigneur, fais l'appel parce que je veux me convertir. Il n'y a pas de souci, que Dieu soit béni. Voilà. Venez, vous qui voulez vous convertir, après on va chanter quelques chants et puis vous allez rentrer chez vous tranquillement. C'est pour la conversion? Tu viens de la Hollande. Tu veux te convertir? Tu veux te reconvertir? Enfin, revenir au Seigneur bien comme il faut. Vous voulez quoi? Hein? Oui? Elle est malade? Vous pensez que Dieu peut la guérir là? Elle peut partir avec cette parole, c'est bon. C'est bon. C'est pour la conversion? C'est pour La confession. Confesser que tu veux, confesser quoi? Mais en fait, j'en ai marre de tomber dans le péché, je ne fais que de fumer, de boire, de fornicer, je suis enceinte. Elle fume tout le temps, elle veut arrêter de fumer, de boire. Vous pensez que Dieu peut la guérir là? Jésus, lâche-la. Lâche ma soeur, non, Jésus. C'est pour la conversion? Mon grand? Ah, t'es bien habillé là. Waouh. Oh, t'es tout beau comme ça là. À cette fois, quand mon grand frère joue aux jeux vidéo, j'ai toujours ça dans ma tête. Donc tu veux que ça sorte de ta tête? Oui. C'est ça, hein? Oui. C'est rentrer là-dedans. Au nom de Jésus-Christ. C'est bon? Tu es tout beau comme ça. Là. Papa est là? Maman aussi? Ah, il t'aime beaucoup en tout cas. Dieu soit béni. C'est bon, mon grand. C'est sorti de ta tête maintenant. Là. Maintenant, tu vas faire attention. Tu vas prendre ta Bible, la lire, d'accord? Tu en as une? Comment tu t'appelles? Shalom. Shalom. Quel âge as-tu, Shalom? Hein? Entendu. Tu as quel âge? 6 ans. 6 ans. Est-ce que tu sais ce que ça signifie, Shalom? C'est quoi? Ça veut dire que c'est le prénom de Dieu. C'est la paix. C'est bon. Voilà, maintenant dans ta tête, il y a la paix maintenant. Shalom. Voilà. Donc vous voulez vous tourner vers le Seigneur, c'est ça? Gloire à Dieu. Toi aussi, hein? Alléluia, gloire à Dieu. Lucien aussi. Hein? En tout cas, c'était vraiment une joie pour nous de voir aussi nombreux. Je sais qu'il y en a qui ont fait de la route, c'est pas évident. Il y en a qui sont venus de Marseille, Lyon, d'Allemagne, de pas mal d'endroits. Mais je crois que votre présence ici n'était pas vaine. Et nous sommes convaincus que le Seigneur vraiment nous a guéris, restaurés, fortifiés. Et pour ceux qui aimeraient qui aimeraient partager ou nous voir en privé pour échanger, il n'y a pas de souci. Et toutefois, en fait, il y a des frères et sœurs qui sont aussi à la disposition de vous, qui sont à votre disposition pour prier pour vous. Et donc il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des gens qui appellent beaucoup au niveau de TV de vie pour des cas de prière. Donc il y a des frères qui sont là le lundi soir et mardi soir pour prier. Hein, pour prier, donc il n'y a pas de problème. Donc ceux qui veulent aussi recevoir des formations un peu plus poussées pour mieux servir le Seigneur, donc il y a un centre de formation, je pense que vous le savez, c'est le centre d'Idasco. Vous pouvez recevoir une formation biblique pour pouvoir aller servir le Seigneur là où il vous a établi. Et comme on vous l'a dit la dernière fois, notre vision n'est pas de garder les gens, c'est vraiment les encourager à aller vers le Seigneur. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur, c'était l'objectif de cette réunion, par rapport à tout ce qu'il est, par rapport à tout ce qu'il fait. Et nous aurions pu mourir. On a tellement subi des choses, tellement d'attaques, de combats. Et on a connu des moments où tout le monde disait c'est fini. Cette fois-ci, ils ne pourront pas se relever
parce que l'ennemi les a atteints. Et, mais parce que le Seigneur a vu notre détermination, notre cœur pour lui et surtout sa grâce à son amour, le Seigneur a toujours été fidèle. Et c'est pour cela qu'on a vraiment voulu lui dire merci pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Et on voit des frères comme Charles, comme Alain et d'autres qui sont venus de loin pour voir ce que Dieu fait ici. Et il n'y a pas de mots pour dire merci au Seigneur. Et ceux qui avaient des doutes par rapport à ce qui se passait, par rapport à ce qui se passe ici et là, je crois que si vous aimez le Seigneur, demandez-lui et il vous parlera. Hein, il vous parlera. Et simplement, ne passons pas à côté de l'œuvre que le Seigneur fait. Comme on vous l'a dit, hein, donc, on ferme les oreilles aux dires des uns des autres et on avance avec Dieu, dans la foi, main dans la main, afin que l'Évangile atteigne toute la France. Je crois que le Seigneur est en train de revenir. Je crois que l'œuvre qu'il a commencée dans vos vies, il va l'achever. Nous ne sommes pas venus ce soir pour imposer les mains à tout le monde, ce n'est pas ça. Donc on ne doit pas habituer les gens à cela. Mais nous avons voulu vraiment tous ensemble, main dans la main, louer et glorifier notre Père. N'est-ce pas qu'il a fait beaucoup de choses dans nos vies? Quelqu'un a-t-il un chant pour le Seigneur? Oui, frère. Oui, c'est quoi? Ah ben, viens. C'est ce que Dieu me disait, donc. Voilà. Ce qu'elle a tellement fait. On doit quitter la salle. Il est 4 heures. On doit quitter la salle avant 6 heures. Donc on va finir plus tôt pour essayer de se dire encore bonjour les uns les autres. Et puis, oui, Paul. Viens, s'il te plaît. Tout le monde connaît mon frère Paul, hein? Un fou de Jésus. Alors, je voulais absolument glorifier le Seigneur aujourd'hui devant vous, messieurs, mes frères et sœurs. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe à Calais actuellement. À Calais, dans le Pas-de-Calais. Pardon. Vous ne savez pas sans savoir ce qui se passe dans le Pas-de-Calais, en l'occurrence la ville de Calais en ce moment, où au départ il y avait 2000 réfugiés. Je les appelle les réfugiés, je ne les appelle pas les migrants. 2000 réfugiés, maintenant il y en a 6500. Il y a quelques mois, le Seigneur nous a mis, avec les sœurs et frères, la possibilité d'aller encourager ces personnes-là et puis voir ce qu'ils avaient besoin. On est allé sur place, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Voir des êtres humains dans la boue, comme des poules, comme des porcs. Et la ville de Calais dénigrait ce peuple que Dieu, parce que je sais que c'est Dieu qui les a envoyés dire, pour que sa gloire se manifeste. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Et en définitive, on s'est concerté et je ne sais pas si, enfin je pense que Loufiane a eu la même pensée avec le pain quotidien. Ils sont venus, on a prié ensemble, on est intervenu plusieurs semaines, on a apporté ce qu'il devait, ce qu'on devait apporter, et on a prié. Le Seigneur nous faisait comprendre qu'il allait mettre sa main puissante sur ce peuple là-bas de Calais, de réfugiés de Calais. Moi au départ, je pensais que c'était par les conversions. Effectivement, au départ, on prêchait, on priait, 3 minutes après, on était tous au sol. 5 minutes après, il y avait des conversions, des Iraniens, des Irakiens, qui voulaient converser, qui voulaient prendre le baptême, qui voulaient donner leur vie au Seigneur. En définitive, le Seigneur s'est servi entre guillemets de nous, aussi bien de nous que des païens. Il s'avère qu'actuellement, à Calais, ils n'ont plus besoin ni à manger, ni de se vêtir. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça, c'est glorieux, c'est ce que le Seigneur fait actuellement à Calais. Comme c'est un peuple qui a été refusé au départ, le Seigneur a mis la puissance sur ce peuple pour éviter qu'ils ont un surplus maintenant de vêtements et un surplus d'alimentation. Ces personnes-là vont à l'intérieur de Calais voir les SDF, donner ce qu'ils ont en plus pour dire que Calais n'a pas été capable de nous nourrir. Jésus nous a nourris. Le surplus, maintenant, on va s'occuper de vos SDF. Voilà.
Alors, tout pour la gloire de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Sans Jésus, il n'y a rien qui se construit. Et croyez-moi, ça, le Seigneur a permis qu'on monte une association. Frère, il est temps, le frère Choura le disait tout à l'heure. On arrête d'analyser qui fait quoi, qui fait ceci, qui fait cela. La croix. Regarde à la croix. Repentons-nous chacun, pensons à nous d'abord, notre salut, nos familles, nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs, nos maris, nos femmes. Sanctifions-nous la croix. Arrêtons de blabla, arrêtons ceci, arrêtons tout. Avançons chacun, chacune, avec la force. Comme Gédéon, va avec la force que tu as. Et ne dénigre pas ni ton frère, qu'il soit blanc, qu'il soit bleu, autrement. Prends par l'amour du Père. Parce que l'amour du Père qui nous fait avancer. Et ne cherche pas à comprendre. Écoute ton Père. Écoute-le te parler au lieu d'écouter. Parce que si le Père nous a donné une langue, c'est parce qu'avec la langue, il sort de mauvaises choses. En revanche, il nous a donné deux yeux pour qu'on voit deux fois et deux oreilles pour qu'on entende deux fois. Ça, c'est une chose. Continuons, parce que le Seigneur revient très, très vite. Effectivement, le Seigneur le revient très vite. Et souvent, quand je regarde Choura ou même d'autres frères là-bas à la télévision, comme lundi, je me voyais parler à travers Choura. Parce que ce que le Seigneur mettait à son esprit, il mettait aussi à mon esprit. Il y a d'autres esprits des frères et sœurs à qui je partage la parole et à qui je prie. Le Seigneur est merveilleux. Et il y a un seul esprit, un seul sauveur, un seul Dieu, Jésus-Christ. Amen. Je vous de la part de Jésus, restons soudés par l'amour de Christ. L'amour de Christ. N'hésitons pas à s'encourager l'un à l'autre. C'est ça la fraternité, c'est ça l'amour, c'est ça la communion fraternelle. Que Dieu vous garde pour cette nouvelle année qu'il a créée lui et qu'il a dessiné pour nous. Parce que ce qu'il va faire pour 2016, il l'a dessiné. Et là, il faudra être à l'écoute. Il ne faut pas passer à côté. Il ne faudra surtout pas passer à côté. Que Dieu vous garde. Seigneur, nous t'élévons. Nous t'adorons, nous t'élévons et nous nous prosternons devant toi. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élévons, nous t'acclamons et nous nous prosternons devant toi. Reçois ces cantiques comme un parfum. Des bonnes odeurs, Adonai. Reçois ces cantiques comme un parfum. Des bonnes odeurs, Adonai. Loyer mon abisso, ton bon génio. Yamba yango, loco la fololo. Yabala sikitoko Loyembo na biso to bojelio Yamba yango loko la fololo Yabala sikitoko Seigneur nous t'adorons nous t'élévons nous t'acclamons et nous nous prosternons devant toi Seigneur, nous t'adorons, nous t'élévons, nous t'acclamons et nous nous prosternons devant toi. Reçois ces cantiques comme un parfum de bonne odeur, Adonai. Reçois ces cantiques comme un parfum. Des bonnes odeurs, Adonai. Loyem bon abisso, to bon génio. Yamba yango, loco la fololo. Yamala si kitoko. Loyem bon abisso, to bon génio. Yamba yango, loko la fololo, yamala sikitoko. Adonai, Melchisedek, roi de Salem, Dieu de salut. Melchisedek, roi de Salem, Dieu de salut, Jésus-Christ.
t'adorons, nous t'élevons, nous t'acclamons et nous nous prosternons devant toi. Reçois ces cantiques comme un parfum des bonnes odeurs. Adonai, 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 Jésus-Christ.